Salut à tous. Salut. Salut Olivier. Nicolas. Exact. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Quay-Portrieux. T'as bugué là. J'ai bugué. Saint-Quay-Portrieux, en Bretagne. Exactement. Et quel soleil que nous avons. T'as vu. Et il pleut pas, hein. Non, mais là, c'est vraiment... Ça fait quelques jours que je suis dans la région et il fait un temps magnifique. Effectivement, on a tout pour aujourd'hui. Il fait beau, c'est le week-end. On est bien. Et en plus, dans ta ville, il y a une vue magnifique. C'est vrai que je le dis pas souvent, je parcours la France, mais c'est vrai que je voyage et je vois des paysages merveilleux. Notamment, vous avez une vue sur la mer. Bah, effectivement, ouais, c'est très touristique dans le coin. On a de la chance parce qu'ici, on doit être à vol d'oiseau, je sais pas moi, un kilomètre et demi de la mer. Non mais vous avez une chance extraordinaire. Ouais, ouais, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est vrai qu'ici, en plus, à Saint-Quay, on bénéficie d'un microclimat. En plus, donc l'été, ça se passe généralement très bien. Et ah, non, mais aussi, hein, mais l'été, plus, voilà. Non mais j'ai été faire un tour à Pontrieux avec la petite rivière que tu passes en barque. Non, vraiment, c'est magnifique. Et alors pour le coup, alors comme on dit qu'on est dans la région, c'est quoi la spécialité du coin ici? Alors la spécialité du coin, t'en as vraiment deux principalement, on va dire les crêpes, les galettes et le Queen Amman. Et je te conseille vraiment de ne pas repartir sans avoir goûté un Queen Amman. D'accord, ok, voilà. c'est noté. Alors, on y va. Alors, pour le coup, c'est un double impact. Et souvent, en plus, ces temps-ci, je dis, c'est des doubles impacts et je me trompe. Mais là, pour le coup, même toi, tu m'as dit, je suis même pas sûr de tenir un double impact. Ouais, là, c'est, bon, on verra bien. Mais il y a quand même pas mal de choses à dire. C'est pas très grand. Ils vont voir les comment ? Téléspectateurs. Les téléspectateurs, les viewers. Les viewers. C'est pas très grand, mais j'ai réussi à faire quelque chose quand même. Donc, alors, je te suis. On y va. On y va. Et alors pour le coup, toi, tu collectionnes un peu du jouet et un peu du jeu alors, vidéo. Alors principalement, moi, on peut dire que je suis collectionneur Saint Seiya Midclose. Principalement, c'est mon cœur de collection. D'accord. Saint Seiya Midclose. Après, j'ai fait une extension vintage, diecast comme tu les appelles. D'accord. Et accessoirement, légèrement un petit peu de rétro, mais léger. D'accord. On va voir ça. Donc tout ça doit tenir dans un double impact. Ah, ça devrait le faire. Ça va le faire. C'est bon en tout cas. Ouais. Alors c'est par là, vas-y. Tu montes en premier? Ah oui, en fait, on était dehors là, en fait, vraiment. Ouais, on était dehors. On a fait vraiment. Ah oui, ok. J'avais pas vu que ça. Tu vois, comme quoi, en fait, je prépare rien à l'avance. J'avais pas vu ça. Géographiquement, j'avais pas vu que c'était comme ça. Alors, je te suis, c'est ça l'idée? Voilà, c'est ça. Donc, c'est en haut. Donc, il y a quand même quelques petits indices, t'auras vu. Hein, ouais, alors, je vois ça, Gaming Room. Ouais. Et puis, le petit poster d'Akira, hein, ça, c'est. C'est vraiment un chef-d'œuvre d'animation. C'en est un d'époque en plus, pour le coup, là. Hein. C'est un d'époque, ouais. Ouais, ça, c'est un d'époque. Alors voilà. Alors on a une pièce de combien de mètres carrés? Parce que dans les photos que tu m'as envoyées, ça me paraissait assez petit. Pour moi, au sol, on est sur 10 mètres carrés à peu près. 10 mètres carrés, ouais, d'accord. À peu près 10 mètres carrés, ouais. Alors qu'est-ce que. Alors, donc là, tu nous parlais de Saint Seiya. Avant qu'on entre là, ouais. Je fais quoi? J'entre, je monte. Passe. Déjà, monte. D'accord. Déjà, tu t'es pas cogné la tête, c'est bien. Ah, d'accord. Pourquoi? Souvent les gens se cassent. Faut faire attention, c'est assez bas. Donc, qu'est-ce que c'est joli! Ah, mais c'est trop beau! Alors, je suis pas tout seul sur la déco. Hein. Ma femme m'a aidé, les enfants m'aident aussi. Parce que alors, t'as trois enfants. J'ai trois enfants. Donc, j'ai un grand de 13 ans et des jumeaux de 5 ans. Qui regardent les vidéos, les jeux viens chez toi avec toi. Et regarde les jeux viens chez toi là-dessus. Ah, alors, c'est ça, c'est ici. Ah, tu regardes carrément les jeux viens chez toi sur un petit écran cathodique à l'ancienne. Alors, généralement, soit on les regarde ici, tu peux rentrer si tu veux. D'accord. Soit on les regarde. Alors, chacun. Ah, aussi, oui, bien sûr. Ah, oui. C'est... Donc, soit on les met là. Soit en fait on les met en, si tu veux, comme une musique, on les met en fond. Ah comme si t'avais une boutique et que voilà, ça tournait dans ça. La boutique. Bah, en fait l'idée de se faire cette pièce là, parce que tu vois c'est assez petit quand même, c'est de faire, d'ailleurs c'est pas une gaming room, c'est pas un grenier, c'est une chambre secrète. Les petits appellent ça une chambre secrète. Ah bon? En référence à Harry Potter et la chambre des secrets. D'accord, ah et, ok. Si tu veux, quand ils viennent là, pour eux, c'est tout cloisonné, tu vois, il n'y a pas de fenêtre, c'est voilà, c'est tout, y a, tous les murs sont quasiment mis, il y a des posters dessus. Et en fait, ils appellent ça la chambre secrète parce que quand ils sont là, tu sais, il faut monter par un escalier obscur dans le garage. Il n'y a pas d'accès par rapport à la maison, on est obligé d'aller dans le garage. Non, mais c'est, en plus, c'est marrant parce qu'en fait, tu m'avais dit au début, on peut rentrer par le garage, tout ça. Mais j'avais pas vu, en fait, on a fait vraiment le tour de la maison pour rien, en fait. Ouais. Faut bien faire une intro. Non, mais, je m'attendais pas à ça, ok. Alors, quand on vient dans ta collecte, alors tu dis, dans ta salle secrète, Nicolas,
la première chose que tu montres aux gens, c'est ce que je dis souvent quand je viens dans les collections, qu'est-ce que tu as envie de montrer, tu veux nous montrer quoi en premier? Généralement, approche-toi, la première chose que voient les gens, c'est pas le rétro, c'est pas les vintage, c'est la collection mid-close. Généralement, c'est ça, c'est ce qu'ils montrent, c'est ce qu'ils regardent en premier. D'accord. Ah oui. Et là, pour la vidéo, je peux dire ça à ceux qui regardent la vidéo, d'habitude, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, d'habitude, je mets tout autour du... C'est comme les fleuristes du papier cristal. D'accord. Pour éviter, si tu veux, que la poussière rentre. Ah là, et tu l'as enlevé, là, pour le coup. Là, je l'ai enlevé, ouais. Mais qu'est-ce qu'on entend par papier cristal? C'est-à-dire transparent, ouais, c'est ça? Très transparent. C'est comme quand on fait les... C'est comme du plexi, mais alors très très fin, quoi. Ah oui, c'est le papier qui est utilisé pour faire l'emballage des fleurs, en fait. C'est ce que... Voilà, c'est ça. C'est ça, en fait, d'accord, ok, ok. Et du coup, j'en mets partout, enfin, j'en mets partout. Et ça évite aussi, parce que c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, j'espère qu'on va finir la vidéo sans qu'il y en ait une qui tombe. Oui, tu m'as dit ça. Parce que souvent, des fois, on se pointe, et il y en a qui tombent. Et malheureusement... Ah, c'est pour ça aussi que tu mets ce papier là. Non, ouais. Tu me parlais d'autre chose, toi, après. Non, juste ça, ce papier-là, ça empêche la ça protège de la poussière et ça empêche aussi la figurine de tomber. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu peux... C'est la première fois qu'on voit une aussi belle collection de mid-close. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour ceux qui découvrent ou ceux qui aiment les mid-close? Dans ces cas-là, avant de commencer les mid-close, je te proposerais peut-être de commencer par le tout début. Ce serait les vintage. C'est pour ça que je me suis arrêté là tout à l'heure. D'accord. Ouais. Alors ça, c'est vraiment, comme tu m'as posé la question, c'est vraiment sur le truc sur les gens, ils se bloquent. Vraiment, ils sont... Après, tu as le côté rétro en dernier, mais vraiment le côté mid-close, c'est ce qui... Vraiment, qu'apporte du cachet. C'est vraiment super joli. Et ce qu'il faut dire aussi à ceux qui regardent la vidéo, c'est que je suis spécialisé par mon mid-close classique. Les EX, c'est pas que je veux pas les faire. Les Soul of Gold, c'est pas que je veux pas les faire, mais le problème, c'est que j'ai pas de place. Alors tu vois qu'en fait, finalement, tu... Allez, viens, on va là-bas et on en reparlera tout à l'heure, parce que tu t'embarques dans les mid-close, ouais, finalement. Alors, ce sont les anciennes. Voilà. Qu'on a... Alors, j'ai envie de dire connues et pas connues. Parce qu'il y en a qu'on n'a pas eu en France. Effectivement, ouais. Généralement, alors au niveau des vintage, ce qu'il faut savoir, c'est que en France, on n'a pas tout eu. Et moi, quand j'ai commencé la collection, d'ailleurs, j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, j'ai recommencé la collection, à vrai dire. J'ai réussi à faire tout ça en 8 mois. En 8 mois? En 8 mois. J'ai réussi à récupérer ouais, ça. Ouais, mais en fait, c'est pas qu'une question de temps en plus, c'est une question de finances surtout, non? Ou je me trompe? Ça dépend lesquels. D'accord. Je vais t'expliquer. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir dans l'univers Senseiya, c'est que on a deux parties, la partie des années 90 et la partie 2000, à partir des années 2000, 2001, 2002. D'accord. Avec la sortie de l'OVA Hades. Et du coup, ou OAV. Bon, je t'ai entendu dire OVA, tu l'as dit suite à mes dernières vidéos ou pas? Exactement. Ok, d'accord. Un petit bonjour à Mickaël. Voilà. Et du coup, donc tout ça, c'est la partie des années 80. D'accord. 80, 90. Généralement, on est sur des sorties entre 88 et 90. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand les Senseiya ont été remis au goût du jour au début des années 2000 avec la sortie des épisodes Hades, bah, j'ai commencé à refaire ma collection. Ah, c'est là que tu t'es remis. Alors déjà, t'as quel âge pour le coup? Moi, je suis de 82, j'ai 38 ans. D'accord. Tu vois? Donc... C'est vraiment ta génération? Bah, la même que la tienne. Honnêtement, je pense que... Ah oui, on a quelques années d'écart. Hein. Oh. Non, mais je suis vraiment très nostalgique. Et tu pourras le voir, à l'ambiance de la pièce, c'est très nostalgique, 80-90. Bah, alors j'ai l'impression, on le verra tout à l'heure, mais ta pièce, j'ai l'impression que c'est une pièce Toei Animation. Un petit peu, ouais. Parce que Dragon Ball Z, Senseiya... Disons que pour la pièce, il y a quand même trois grosses thématiques. Senseiya, Dragon Ball et le rétro, avec une petite, tout petit rappel de Turtle. Ça, c'est à la base, je devais pas le faire. Et quand j'ai acheté le pack, on a fait le diorama avec les enfants. D'accord. Et ça, c'est pas les miennes. Hein. Ça, c'est celle du grand. Ah, d'accord. Alors, revenons quand même. T'as vu, finalement, tu pensais ne pas avoir des choses à dire? Ouais, et donc pour du coup je repars sur ce que je disais. Donc j'ai commencé vraiment la collection vintage en 2002-2003 au plein boom des Senseiya. Arrivé en 2004-2005, les mid-close sont arrivés, donc j'ai commencé à... Oh, c'est plutôt 2003 les mid-close, hein. Au Japon. Au Japon, oui, ah, c'est 2005 en France, c'est vrai, ouais, par Bandai. Le gros boom, ouais, le gros boom, oui, c'est 2005-2006, ouais. Ouais. Mais moi je les achetais quand même au Japon, et c'est vrai que les vintage, du coup j'ai arrêté. La seule... Tu les as toutes ou pas pour le coup? Alors,
c'est là que ça va être un peu marrant. T'as fermé la trappe en fait. Ouais, j'ai ramené ouais, parce que tu peux marcher dessus quand même. Ah parce oui que... Ah, parce qu'il y a des choses à voir là. Et du coup... Tu peux nous en montrer une pour qu'on voit la différence, c'est vrai. Alors, prends une figurine qu'on pourrait comparer par exemple avec une mid-close pour voir. Alors, on va pas... On va prendre, essayer de prendre... Parce que tu peux les ouvrir. De ça. Oui, bien sûr. T'as alors... juste le petit... T'as juste à ouvrir le... Je vais prendre franchement celle... Qui me, un de mes personnages que j'aime bien dans la série, c'est le Poséidon. Et celui-là, par contre, j'ai été non négociable sur la qualité de la figurine, du coup. Donc ça, c'est, on est sur une belle pièce, quand même. Hein. On est sur... Alors, qu'est-ce que tu entends par belle pièce? C'est parce qu'elle est bien conservée. Voilà, c'est ça. T'as pas de décoloration, la peinture se tient. Le bonhomme, tu vois, il est propre. Et ce que j'aime bien, c'est aussi des boîtes qui tiennent la route, parce que comme je les expose, finalement après à la limite ce personnage c'est pas grave. Oui. Mais quand tu vois une belle boîte, etc., ça fait envie. Ça fait envie. Poséidon, c'est vraiment un personnage que j'ai bien aimé petit. Ouais. Parce qu'il était, c'était le plus fort de tous en fait à l'époque. D'accord. À la fin des SNCA, c'est un des plus forts. Et il est sage en plus, ce personnage de mémoire un peu, non? Il est méchant tout en étant un peu. Ouais, il a quand même son idée du monde. Il veut pareil. Alors après, il a quand même comment dire, il a un peu mis le bordel chez les Asgard parce que c'est lui, ouais, qui a contrôlé la princesse Hilda. Mais je trouve qu'il a du charisme de fou, quoi. Et puis je sais pas, il me semblait un peu sage tout en étant méchant, mais c'est étant... un dieu. C'est un ouais, dieu, voilà, quoi. C'est ça aussi, voilà. C'est parce que c'est pareil, lui. Il est où? Il est lui, c'est pareil. Abel, c'est, non? C'est, ouais, c'est un film. Abel, c'est pareil. Au départ, il est tout gentil. Après, il a quand même des dessins assez sourds, hein, assez sournois, je veux dire, assez doux. C'est vrai qu'il est gentil au début. Tu le sens qu'il a un bon fond, mais en fait, il a pas un bon fond. Ah, le but. Enfin, faut quand même que le scénariste. Là, faut que ce soit un méchant, ouais, c'est clair. Voilà. Alors, donc, comparons alors. Alors là, t'as la version donc classique de 88, version FR, et la version mid-close. D'accord, donc c'est celle-ci. Ouais. Voilà, on n'a pas du tout la même proportion. Là, on est sur des figurines beaucoup plus grandes. L'armure recouvre intégralement le corps, alors que sur les vintage, on n'avait que les petits trous devant, là, tu vois, les jambes, les bras. Oui. Et que là, c'est beaucoup plus détaillé, quoi. Alors, à l'époque, quand même, ces figurines-là, on n'y jouait pas. On était censé jouer avec, mais on ne pouvait pas jouer. C'est-à-dire que tu bougeais le personnage. Ah, c'était chaud. C'était tout tombé. C'était chaud. Donc, alors, déjà à l'époque, celle-ci, on n'est pas censé jouer avec. Ça, c'est de la collection. Ça, c'est de la collection. Mais ouais, celle-ci, ouais, c'était déjà presque de la collection déjà à l'époque. Bah, moi, je me rappelle quand je l'ai eue. Alors, celle-ci, elle arrivait après. Parce que les premières, c'est les bronzes V1, V2, les Chevaliers d'Or. Moi, quand je les ai reçus à mes Noël anniversaire, je jouais vraiment avec. Je refaisais la série, je me refaisais la bataille galactique, etc. dans ma chambre. J'étais vraiment petit, hein, 7-8 ans. Mais quand les Poséidons ont commencé à sortir, on avait quand même, je trouvais, une meilleure qualité. Et on a commencé petit déjà. Moi, en tout cas, j'ai commencé à apprécier la qualité des vintage. Et à la fin, je jouais plus, ils étaient exposés sur ma table de nuit. Donc tu vois, déjà, même à l'époque, voilà, c'était de la collection, finalement. Tu vois, là, par exemple, celui-là, il a tout un... Tout, parce que l'avantage de ces figurines, ce qu'il faut savoir, c'est que tu l'as en armure, mais également sur le porte-armure. Alors, c'est ce que j'expliquais pour les Rock Lords, c'est-à-dire que si tu as envie de les avoir sur le porte-armure et avec leur armure. Bah regarde. C'est... Ah bah c'est ce que tu as fait là. C'est ce que j'ai. Alors je l'ai pas fait partout, parce que les dernières qui sortent, ça coûte un bras, mais à l'époque c'était hyper abordable. D'accord. Donc ça, on va revenir après. Et autre chose, donc je voulais te montrer ça par contre. Ça, si ça prend feu, alors. Attends, t'anticipes déjà la question. Alors, si ta pièce prend feu. Alors, ça, c'est clair. Parce que ça, c'est le tien. Le mien d'époque. C'est le tien. Et ça, c'est une petite anecdote. Alors, tu vois, Sunfade de ouf. Hein. Ah, c'est ce que j'ai dit. Mais, alors, ça, c'est pareil, tu vois, les ailes, elles arrivent pas à tenir. Hein. J'ai essayé de les faire tenir pour la vidéo. Elles sont tombées, en fait. Ah oui, elles ça tombe tout le temps. Ouais. Alors, on va pas remettre un petit scotch, mais bon. Ça, c'est le mien d'époque. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à la fin des Chevaliers Zodiac, donc on est début 91, peut-être 90-91, parce qu'il faut savoir qu'ils n'ont pas continué, poursuivi la série Hades, ils sont arrêtés à Poséidon, sachant que Poséidon était la partie la moins vue au Japon. D'accord, oui. Asgard avait plus de succès que Poséidon. Alors que Asgard n'est pas dans le manga à la base. Asgard n'est pas dans le manga, ils ont juste fait Asgard parce que. Pour que laisser du temps au manga de prendre de l'avance. C'est ça. C'est ça. Et parce que aussi c'était très populaire, ils se sont dit on va rajouter quelque chose en plus aussi d'une certaine manière. Franchement, Asgard c'était génial. Enfin moi en tout cas j'ai bien aimé. C'est vrai que ça s'est arrêté assez rapidement. Pour moi ça,
Dragon Ball a pris le pas sur les Chevaliers Zodiac et on est tous partis sur Dragon Ball Z. Et finalement, le Senseiya est parti un peu à la trappe. Donc du coup, bah, forcément, les produits dérivés, les gens s'y intéressaient quasiment pas. Enfin, au plus en tout cas. Et moi, en tout cas, en 95-96, les Chevaliers Zodiac, j'en entendais plus parler, quoi. Ouais, c'est vrai. Et ben ma mère, en fait, moi, ça traînait partout dans la chambre et tout. Ma mère les a ramassés. D'accord, elle les a tout mis dans une boîte, tous mes Chevaliers Zodiac. Cette boîte là, je l'avais pas mis à la poubelle parce que je m'en rappelle encore, une fois que j'avais lu le Chevalier d'Or, on mettait la boîte, on la mettait à la poubelle. Ouais. Et elle a gardé cette boîte, elle a mis à l'étage dans le bureau de mes, enfin, le bureau de mes parents, et du coup elle l'a laissé en face d'une fenêtre. Ah, c'est pour ça. Mais malgré tout, celle-là, elle est, c'est à mon 7e ou 8e anniversaire, je sais plus, hein, je m'en rappelle plus trop. Donc c'est une bon, on sait déjà la pièce que tu avec laquelle tu repars. Il y en aura peut-être une deuxième après. Ah, donc en fait, t'as anticipé déjà à l'avance, tu t'es dit, je vais mettre ça, je vais la balancer cette pièce, voilà. Et maintenant il y en aura une autre après. Ok. Voilà. Donc je te poserai réellement la question tout à l'heure. D'accord. Mais ça c'est. Moi, je me rappelle, il y a à l'époque du vintage, c'est-à-dire dans les, allez. 2000, 2001, 2002, ça s'est vraiment arraché, quoi. Je veux dire, les gens voulaient racheter du Senseiya avec ces produits-là. Je parle pas des rééditions HK. C'est vrai que ça n'existait pas encore. Mais c'est pour ça qu'après qu'ils ont fait les, comme tu parles à l'instant, les rééditions HK. Ouais. Mais à l'époque, quand ADC est sorti, pour si tu voulais du jouet Senseiya, il n'y avait que ça. En 2002, je t'entends au tout début. Parce que c'est 2003 les Myth Close, donc de mémoire. Les HK sont sortis en 2004. Oui, mais il y a les Hades qui sont sortis en diecast. C'est les premières à avoir été éditées. Ah oui, mais figurines inédites. Inédites, on est d'accord. Pas les rééditions, on est d'accord. Voilà, d'accord. Ok, on se comprend. Oui, c'est vrai. Effectivement, si tu voulais du Saint Seiya, ils avaient édité les 6 spectres. Ouais. Et du coup, elles ont flambé. Le prix a flambé. Et ça s'est rapidement estompé au profit quand les Myth Close ont commencé à sortir. C'est ce que j'ai fait. Sauf que cette boîte-là, à l'époque, on a proposé jusqu'à 200 euros. C'est plutôt pas cher. Mais Sunfed. Ouais, il était ouais, dans son. Ah oui, d'accord, tu parles d'une autre que la tienne, d'accord. Voilà, non, c'était celle-là. Ah oui, d'accord. Il y a un mec qui était venu m'acheter, je sais plus quoi, il avait vu ça, il me dit, je te la prends, je te donne 200 euros. Et même 200 euros, j'ai. Bah non, mais c'est sentimental, voilà. Même 1000 euros, 2000 euros, elle part pas c'est normalement. Mort, c'est mort. Bah ben oui. Je comprends quand tu peux. Même avec un feu, tu rentres dans le feu, tu vas le chercher. Tu voilà. Ah non, c'est mort. Mais oui, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est mort, c'est. Ça, je la perds, je suis malheureux. Mais oui. C'est pas la même chose que. Si tu veux, celle-là, elle a suivi un peu ton histoire, tu vois. Elle est. Voilà, c'est un peu l'idée. Que ça, c'est, déjà, c'est pas les tiennes. Tu les as. Enfin, moi, c'est pas les tiennes. C'est, tu les rachètes. Mais ça, c'est ma mère qui l'a acheté. Ben oui. Elle était neuve, c'est moi qui ai joué avec, etc. Donc ça a beaucoup plus de valeur sentimentale que, à la limite, pécunier, tu vois. Donc ça, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a que tu peux nous montrer? Alors, là, par exemple, là, juste explique-nous un petit peu, là, on voit. Par exemple, bah, Pégase, en mode comme ça, en mode on le voit à travers. Et là, c'est les versions françaises, ça, on a bien compris. Juste avant de parler de ça, du coup, pour t'expliquer ça, il faut que je t'explique pourquoi j'ai commencé cette collection-là. Vas-y, je sens que. Ouais, je sais pas si ça va faire un double impact ou pas, mais vas-y. Si. On va voir. Voilà. Mais en fait, il y a 8 mois, j'étais sur les groupes Facebook, Senseiya, etc. Et je vois une annonce d'un gars qui avait une collection de boîtes assez impressionnante, mais tout fourre-tout, quoi. Il avait les boîtes d'un côté, tous les personnages de l'autre. Et il y avait quand même des Chrysaors, des trucs qui n'étaient pas sortis en France. Il y avait pas mal de FR. Et le gars, je lui envoie un message et je lui dis, bah écoute, quand tu auras tout remis d'aplomb, quand tu auras remis la bonne figurine avec la bonne boîte, etc., tu m'envoies un message, éventuellement je serais peut-être intéressé, quoi. Ça pourrait être sympa pour une ou deux boîtes. Oui. Tu vois. Et je vois les messages, 100, 120 messages, je dis, bah, c'est mort. Et en fait, le mec, il m'a recontacté moi en priorité. C'est un copain maintenant, on est devenus copains. Et je lui ai promis quand il viendrait en vacances, de me faire visiter. Et il m'a dit, bah écoute, moi j'ai tout remonté, il m'envoie les messages. Et en fait, dedans, t'avais... Montre-en-nous, par exemple. Ouais. Alors, le Zeta blanc. Montre-nous un peu. Ça, c'est rare. Ah oui? Ça, alors là, si tu... Alors, ça c'est rare, mais là aussi c'est très rare, les trois là. Surtout que c'est des... C'est plus abordable. Ils sont un peu chiants à trouver, mais c'est plus abordable. C'est plus abordable que... D'accord. Le Zeta T'as pas les blacks pour autant là. Ah, tu fais mal au cœur. Les blacks, on en va en parler après. D'accord. Mais alors, le Zeta blanc, ça c'est une pièce rare, et j'ai envie de te l'ouvrir d'ailleurs, tu vois. Alors, hop.
Et là, tu peux pas dire que c'est du HK. C'est pas possible. Bah, de toute façon, maintenant, les HK, c'est frites. Hein. Ça, c'est frites. Ah, bah, c'est mort. Pour ceux qui collectionnent les vintage, ils le savent. Et ceux qui veulent le collectionner, faut regarder sous les pieds du personnage. D'accord. Attends, je peux peut-être te le montrer rapidement. Parce que, en fait, c'est vrai qu'ils ont fait des HK. Et là, tu vois, donc on est Bandai 88 Japan. Attends, parce que j'arriverai pas je à faire la mise si au tu point. Vois. On a compris l'idée. Mais okay. Les FR, ce sera du Taiwan, Bandai 88. C'est ça, voilà. Et pour le coup, alors moi, je les ai achetés à l'époque parce que j'avais pas forcément envie, tu sais, d'acheter les anciennes parce qu'elles valaient un certain prix. Ouais. Moi, ça me convenait. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que dès le début, j'ai capté, il y avait des bruits qui couraient, que ça s'effritait. Je les ai toutes vernies. Ah ouais. À la bombe. Et ça a marché. Je les ai pas touchés depuis 10 ans. Mais je pourrais pas te dire. Mais j'ai tout en fait. En fait, concrètement, j'ai tout ce qu'il y a là, les noirs, les trois que t'as en haut, mais en réédition quoi. Ouais, alors en fait, moi c'est pareil. Quand ils ont tout ressorti en 2004, j'ai tout racheté. Les blacks, les Asgard, tous ceux que j'ai voulu. Enfin, pour compléter, j'en avais déjà, hein, mais pour compléter, parce que les HK c'était quand même beaucoup moins cher, c'était quand même beaucoup plus accessible. Et voilà, mais après, au bout des années, ça fait mal aux yeux quand même, tu vois. Bah là, c'est les originales. Tu la touches, la figurine, t'en as plein les mains quoi. C'est vraiment. Oui, ça c'est frite comme du papier de, ouais, d'or quoi. Ah, ouais, non, c'est impressionnant, ouais. Et même je l'ai vu sur les forums, il y en a qui me l'ont confirmé, hein, que des blistés, c'est-à-dire des non ouverts. Ah mais oui, mais c'est encore pire quand même. Non mais c'est encore pire, parce qu'en fait c'est encore pire même dans ces cas-là souvent, parce qu'ils sont en contact du plastique, ouais. Le plastique qui colle. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi le choix de Bandai de cette peinture, parce que pour les mid-close ça a pas bougé, hein. C'est vraiment, les mid-close c'est nickel, les rééditions. Moi je conseille pas, quelqu'un qui veut faire de la collection Sensei, je conseille pas les Hong Kong. Franchement, il part sur du FR. Les meilleures qualités c'est du Jap. La meilleure qualité c'est du Jap. Par contre, les FR bénéficient d'une espèce d'aura, parce que c'est la nostalgie. Donc... Mais surtout c'est écrit en français. C'est écrit attends, montre-nous, c'est surtout que regarde, quand on en prend une là, il y a écrit quoi au-dessus? Les Chevaliers du Zodiac surtout. Ouais, les Chevaliers du Zodiac. Non mais ça fait tout. Ça fait tout. Chevalier du Zodiac, regarde. Alors par contre, pour le coup, aussi bien en Asgard, par exemple là on voit les Asgard, t'en as 3 en français, parce que les autres ne sont pas sortis. Alors, en français. Celle-là, je suis un peu feignant, je l'avoue, je suis un peu feignant. Elle est sortie, Alpha est sortie, voilà. Mais j'ai pas eu encore l'occasion de la trouver. Mais tout simplement, mais par contre les autres non. Non, alors à partir, celle-là pareil, cote assez, le Zeta Blanc, on n'en parle même pas. Attends, il y est pas lui en français lui-ci? Non, on est bien d'accord. Non, et même ça, c'est la figurine, elle est grande je crois, non? Ouais, elle est plus grande, bah la taille entre Alpha et Zeta Blanc, tu vois, c'est, ouais. Ouais. Déjà dans la série, il est plus grand. C'est pour ça, c'est ça, ouais. Et on va dire que le Zeta Blanc est le plus rare, mais les 4 là, c'est assez casse-pied à trouver. D'accord. En Poséidon, alors si tu veux quelque chose de rare aussi, c'est celui-là. Et là, il n'est pas complet. J'ai pas le blister, j'ai pas la notice. D'accord. Et une petite particularité qu'il faut que les gens sachent bien quand ils achètent du Jap, alors je vais essayer de te prendre celle-ci, c'est qu'il faut qu'il y ait le point. Ah bah, faut qu'il y ait, c'est-à-dire si tu le veux complet. Tu le veux complet. Oui, voilà. Alors là, je vais. Oui, bah, c'est comme en France, on les découpait aussi, il y avait derrière. Non, il n'y avait pas de point. Il n'y a pas chez nous. Ah non, non, regarde la Vierge. Bandai. D'accord. Tu vois. Ok. Là, pourquoi il y avait des points? Parce qu'au Japon, il y avait un jeu concours. Et tu peux le regarder là. Ah bah oui, tu gagnais le grand pop, non? T'avais le grand pop, t'avais Odin. Odin. Mais Odin, fut un temps, il était, mais c'était une calamité pour le trouver. Alors, boîte blanche en plus. Ouais, moi, la première fois que je l'ai vu, c'était en août 2002, à Paris, dans une petite boutique. J'ai vu le prix, j'ai abandonné. Il était à 10 000 francs. Ah oui, oui, oui. 10 000 francs. Mais il s'est cassé la figure à un moment donné, le tarif. Il s'est planté. Bah, comme avec le reste des mitaines, je te dis, quand les mitlos sont sortis, ça s'est... Puis quand il y a eu la réédition, parce que Odin et Hadès, il y a eu la réédition. Alors, Odin, l'avantage de la réédition, c'est que t'as un personnage dedans. Oui. Alors que le Odin Premium, c'est juste une... Déjà, il est plastique. Il n'y a pas de métal, et c'est comme des maquettes. C'est pas comme ici avec une armure, si tu veux, où t'as un bonhomme avec l'armure dans... Non, c'est démontable comme une maquette, quoi. D'accord, ouais. Mais son prix est très cher, et le problème, s'il y en a qui veulent le prendre, qu'ils fassent très attention, parce qu'il y a des copies qui existent sur le marché, et qui ressemblent, mais oui, vraiment oui. Très très bien, en tout cas sur les photos, en mince, je pense que... Et en plus, la boîte, c'est facile, il n'y a pas de couleur, c'est du noir, ouais. Et blanc, ce qui fait que la boîte, d'une certaine manière, tu peux... Là, ce sera en couleur, on peut le voir, comme ouais, quand il y a des ouais, faux ouais, jeux, ouais, ouais. Bah, on reconnaît les couleurs. Attends, je dois en avoir une dans le coin,
Tiens, là. C'est la salle secrète. C'est marrant parce que t'es bleu, mais je me disais depuis tout à l'heure, mais en fait, ouais. Il y a un néon bleu. Oui, voilà, je suis bleu sur la caméra. Ouais, non, pas tant que ça, ça va. Ça, on est sur du fake. Tu vois, c'est du fake. Du non officiel. Ouais. Sendo Seiya. Et à l'époque, c'était le seul moyen de pouvoir avoir les figurines avant les rééditions. Si, pour pas trop cher. D'accord. Donc ça, on va dire que mais c'est plutôt bien fait, moi, qu'il le voit la face. Ça les va. Couleurs sont... Tu vois bien que c'est pas la même impression, quand même. C'est légèrement... légèrement pas flouté. Oui, mais oui, mais c'est... Ça bave un peu, quoi. Ouais. Mais honnêtement, c'est pas catastrophique. D'accord. C'est du bootleg. Mais tu sais que même ça, je crois que même ça, c'est 50-60 euros, quoi. Ah oui. Sachant que celle-ci, elle en est 200. D'accord. Moi, ça me dérange pas de parler de prix. Hein. Si tu veux. Alors, on passe un peu au mid-class pour le coup ou... Juste un dernier point. Vas-y. Si tu veux. Un dernier. Tu sais que je crois que ça va pas faire un impact. Je le sens. Un dernier point. Je sais pas si t'as vu quelque chose de différent sur les Chevaliers d'Or. Il y a une boîte forcément que tu vas t'en rencontrer assez rapidement. Alors là, cette fois-ci, je regarde avec mes yeux. Parce que pour le coup, souvent je regarde dans le cadran. Ça va te sauter aux yeux, logiquement. Rien que comment elles sont disposées, il y en a une qui est différente des autres. Bah elle est beaucoup plus grande, lui. Le gémeau, c'est normal. Les gémeaux poissons, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus de pièces. Ouais, ils ont plus de pièces, je pense, ouais. Mm. D'accord. Bah alors non. Alors tiens, bah je vais te donner celle-ci et essaie de l'ouvrir. Ah d'accord. Ah oui, d'accord. Ok. Il y a pas la petite trappe. Il y a pas la trappe. D'accord. Là, on est sur une version FR Jap. D'accord. Là, c'est fabriqué au Japon. Là, c'est marqué Made in Taiwan. D'accord, donc il y a eu deux. Il y a eu des. Il y a des variantes. Des c'est variantes. Comme pour le rétro, comme la NES, FRA, FH, ouais, tous ces trucs-là. T'as trois variantes sur les vintage Chevaliers Zodiac. D'accord. Principalement sur les 5 premiers Chevaliers de Bronze et les 6 premiers Chevaliers d'Or. Enfin, les Chevaliers d'Or, je sais plus. J'arrive jamais à me rappeler les 6 et 6 du Bélier au Lion qui sont sortis, mais bref. Et en fait, celles-ci, c'est les premières qui sont sorties. Et en fait. T'as pas de trappe, on appelle ça des FR Jap, c'est-à-dire que c'est des FR, mais qui fonctionnent. Ah, donc t'as quand même la collerette là. Voilà, ouais. Et t'as quand même comme la version Jap où t'es obligé d'ouvrir pour voir la figurine. D'accord. Tu ne peux pas, t'as pas le rabat en fait. Et t'as la qualité Jap. Je pense. Oui, fabriqué au Japon, oui, je pense. C'est un petit. Là, tu vois, le mien, il est un petit peu abîmé. Voilà, là c'est plutôt propre. C'est propre. C'est pas parfait, mais c'est plutôt propre. C'est plutôt propre, ouais. Ouais. Et il y a encore une autre spécificité. Alors déjà, elles sont assez chiantes à trouver, celles-ci, mais encore plus chiant à trouver. C'est les Mako. Est-ce que Mako, ça parle? Oui. C'est-à-dire qu'il y a des figurines Senseiya qui ont été produites en France, oui, à Mako. C'est ça. Alors, il y a une histoire avec Mako... Alors, tu vas me la rappeler parce que je l'avais en tête, je ne l'ai plus, mais il y a une histoire avec ça, ouais. Ouais, alors, je la connais pas par cœur. Hein. Je sais qu'ils avaient Mako, et il y avait un homonyme sur, comment, en Corée ou un truc comme ça. Mm-hmm. Et en fait, ils ont essayé de noyer le poisson entre Mako France et Mako Asie. Oui, il y a un truc comme ça. Un truc comme ça, je sais plus. Et les Mako, par contre, c'est marqué en bas, fabriqué à Mako. Voilà. Elles sont encore plus rares. C'est ça. Elles sont plus rares. Donc, tu vois, ça se rapproche du rétro. C'est que on a des spécificités comme ça. Le problème du Senseiya, je vais dire franchement, quand t'as une variante, bah du coup, t'es obligé d'acheter tous les 5 à chaque fois. Mais c'est ça. Mais sinon, tu t'arrêtes jamais. Bah ouais, non, mais vaut mieux en avoir une de chaque, même si c'est. Mais tu sais que j'ai vu des collections, les mecs les ont tous. Ouais, mais après, tu t'en sors plus, quoi. Et juste pour terminer, si tu peux filmer, ça, c'est les pubs d'époque. Ah, j'aime bien ça. Les pubs d'époque. Et j'ai alors, moi, généralement, alors, j'ai mis en double j'ai mis dans le tableau que ce que j'ai en double. Et la seule notice française, parce qu'en France apparemment on avait des pubs, et voilà. Et voilà, là, une notice française par exemple. Parce que moi je les sors des boîtes, les notices. Oui, c'est. Voilà. C'est ça. Et là, c'était les fameux bons de commande. Donc t'avais la pub. Là, c'est pour avoir le Sagittaire. Ah, c'est les versions Jap en fait ça. Ouais, version Jap, le Sagittaire fake. 10 000 pièces. Ah oui, alors c'est pareil. Qu'est-ce qu'on entend par fake? Fake parce que à l'époque, quand le Sagittaire est apparu, il n'y avait qu'une armure d'or. C'est-à-dire que les autres n'existaient pas dans la série. D'accord. Ouais. Et Kurumada, il a fait ce design-là. Et après, il est parti sur un autre trip. Je pense que c'était pour l'animé. Enfin, je pense que c'était pour l'animé. Et cette armure d'or-là, du Sagittaire, nouvelle version. C'est ça, on est bien d'accord. Deuxième version. Et c'est en fait quand. Et c'est marrant parce que tu l'appelles fake, mais en fait, c'est version bêta, on va dire.
C'est une version prototype. 1.0. Oui, voilà, voilà. Oui, c'est 2.0. Oui, voilà, c'est un peu ça. Généralement, les gens disent ça fake, Sagittaire fake. Parce qu'elle n'existe pas. Je sais pas. Ikki la porte dans l'animé au tout début, mais il apprend quoi ? C'est quelques secondes et après il se prend un coup de pied, elle sort de. Il la perd quoi. Mais celle-ci. Bah, après, je pense qu'elle était dans le même esprit que celle-ci, c'est-à-dire que les vintage, c'est-à-dire le casque. Ça fait vraiment casque de moto. Oui, quoi. Oui, oui. D'ailleurs, moi j'étais très déçu quand ils sont passés au V2. Parce que les V2, c'est beaucoup plus épuré. Tu vois, j'en ai deux là. C'est vrai qu'elles sont plus épurées. Ouais. Moi, j'ai pas. C'est pendant Asgard en fait. Ils arrivent à Asgard. C'est un choix délibéré de. Allez, un petit contrat entre Kurumada et Bandai. Parce qu'en mais ça, c'était pour faire vendre. Exactement. Non, mais je cherche pas. Voilà. Parce que oui, mais par contre, dans le manga, ils ont leur deuxième armure quand ils sont à Poséidon. Alors, ou pas dans le manga, c'est encore différent. C'est-à-dire, déjà, quand ils vont voir le Chevalier du Bélier pour se faire réparer l'armure après le tournoi. Dans le manga, elle prend déjà une évolution. En fait, il y a des. Oui, mais c'est une évolution, mais de la première version, donc c'est, ouais. C'est à peine visible, non ? On est d'accord ? C'est léger. C'est léger. Mais visuellement, si on n'est pas au fait, on ne fait pas attention. Mais par contre, là, concrètement, c'est plus du tout les mêmes. Non. Moi, par contre, pour moi, la première armure, c'est la plus importante. Les deux, j'ai pas aimé. Parce que t'as pas la forme du cheval, c'est pas les 12 Parce que dans Poséidon, dans le manga, c'est ça, là, en même temps qu'on en parle, dans le manga, ouais. Ils sont déjà en V2 ou pas ? Ou il n'y a pas du tout. Manga, oui. Ils sont dans le manga, oui, ils sont V2. En V2, d'accord. Donc là. En fait, ils l'ont mis pour Asgard en se disant, comme ça, on vendra plus rapidement la nouvelle version des jouets, peut-être. Je pense. On fait Asgard, qui était pas dans le manga. Mais on les met en V2, voilà, ouais. Comme ça on vendra tout de suite les jouets. Au niveau du switch entre Asgard et Poséidon, il n'y avait plus rien à faire du coup. Oui, les armures étaient déjà présentées. Oui, donc, voilà. C'est vrai que, juste pour revenir, pourquoi je t'ai montré les pubs, c'est juste que, tiens, alors ça, c'est une de mes plus belles boîtes, d'accord. Tu passes, c'est vraiment comme neuf. Par contre, là, il manque le point. Ah. Et c'est les japs, il faut le point, sinon ça perd de la valeur. Là, le dragon, il l'a. Et en fait, tu découpais ce point-là, tu le collais sur le bon, tu l'envoyais, et t'étais tiré au sort. En plus, c'était tiré au sort, en plus. Ouais, et juste pour finir, avant de passer sur les mid-close, vraiment, sur le vintage, je pourrais t'en raconter. Hein. Je pense que je mets au défi de quelqu'un de trouver les petites Pandora Box avec les vintage. Ah oui. Je les ai jamais vus. Je les ai vus en photo sur Internet. Je les ai jamais vus en vente sur eBay. Voilà, Pandora Box, c'est ça. C'est une petite boîte c'est comme ça. C'est une boîte ici, ouais. C'est là où ils tiennent leur armure, en voilà, fait, c'est ça. Dans la série. Et ça, ils ont existé au tirage au sort, 8500 pièces. Et j'en ai jamais vu. J'en ai jamais vu, ni en boutique, ni en vrai, à part en photo. En photo, voilà, en oui. En photo, c'est tout. Ouais. D'accord. Et ça a chopé... Et on passe ici, là on passe ici. Bon, je crois qu'on va... Tu sais que t'étais un peu peureux, disant « Ah, je vais peut-être pas y arriver !» Je stressais un petit peu, je me dis « Mais t'as vu l'état de la pièce, il va faire de... Je sais pas, 5 minutes, puis il va s'en aller !» Non, mais alors mais là, je pense que c'est un simple impact. Sachant que je répète qu'en plus, j'ai pas tout. Oui. C'est-à-dire que je fais pas les EX, je fais pas les Soul of Gold. Je suis vraiment concentré mid-close, quoi. Alors déjà, là, la tête du personnage, du taureau, c'est une variante, là, non? En fait, j'ai menti. J'ai deux EX, ouais. Dont le taureau. Ah, le voilà. Taureau, je me suis permis de l'acheter, parce qu'en fait, il garde la même taille que la version quasiment normale, classique. D'accord. Pourquoi je fais pas les EX? Parce que on devrait pas dire, comme les autres, très bien dire, bah voilà, tu les achètes au fur et à mesure. Rappelle-nous un petit peu, c'est quoi EX? EX, c'est en fait, c'est une version des chevaliers d'or, de bronze, etc. Encore plus améliorée. T'as eu les vintage, t'as eu les mid-close, et t'as la version EX. Et c'est là que tu pètes un plomb, tu te dis, mais c'est pas possible, en fait, j'ai acheté, on ressort maintenant des versions... Quand j'ai vu les premiers visuels des chevaliers d'or en 2012, j'ai eu les boules. J'ai dit, c'est pas possible, pas tout racheter. Mais tu sais qu'il y en a plein qui ont arrêté au bout d'un moment, qui se sont mis à faire les mid-close, et ils se sont dit, mais c'est plus possible, il y en a trop. Il y en a trop. Ils sortaient les personnages que tu vois 5 minutes dans la série. Généralement, je vais te dire franchement, ceux qui font les EX, ils ont revendu les classiques. Faut bien se monnayer quelque part. Ça a plus de sens, hein, plus à un moment donné. De... Ouais, non, et puis comme ils disent, Bandai, qu'est-ce qu'il va faire après le EX, il va encore sortir une autre version, ça ne s'arrête jamais. C'est le problème, c'est pas que je voulais pas faire le EX, mais ils sont légèrement plus grandes. À part le taureau qui garde sa proportion. Et le problème, c'est que je voulais pas une collection à deux vitesses. Mais c'est surtout que, en disant que, par exemple, je dis une bêtise, Cassio, ce qu'on voit ici, ouais. Ces personnages-là, est-ce qu'ils vont les rééditer au bout d'un moment? Peut-être que ça aurait pu s'essouffler, les EX.
et qui, parce que est-ce que tout est ressorti en UX? Mais non, c'est ça le problème. C'est ça. Là, c'est ce que je te dis. C'est ça. C'est qu'à un moment donné, après, tu, alors, c'est fini. Voilà. Quoi. Soit tu pars, tu dis, j'arrête les classiques, je fais que les UX. Donc là, je suis collectionneur UX. Mais si tu commences à mélanger les deux, déjà, si tu commences à, dans la disposition à mélanger des UX avec les classiques, déjà, les tailles sont pas. Ouais. C'est dépareillé. Donc de c'est toute dépareillé. Façon... Et ça fait une collection à deux vitesses. Voilà. Et c'est ce que je voulais éviter. Donc du coup, je me dis, pour le moment, je fais pas les UX. Voilà, et j'économise de l'argent. Voilà. Parce que la gamme Miklos, faut pas se leurrer, elle est quand même bien, quasi pas finie, mais s'ils en sortent une figurine par an, c'est le grand max, quoi. Et tiens, regarde ça, c'est un truc classique, tu vois. Ça, c'est la box du Sagittaire tirée d'un pack avec les 6 chevaliers de bronze or. C'est vintage, hein, c'est un peu et vintage. Et on voit que c'est... Ah ouais, non, mais... Il y a des petits... Ah ouais, bah ça, c'est tout à l'heure, j'ai mis un petit... juste pour faire la poussière, et j'en ai eu sur le bout du doigt. Ouais, ben bah voilà, bah ouais. C'est exactement ce qu'on parlait pour les HK, c'est ça, ça fait ça. Et voilà, bah, c'est compliqué, hein, c'est... vaut mieux éviter du tout. En fait, là, tu les as mis en dessous, là, t'as les personnages, là. Alors, et en dessous, t'as mis leur... Ouais, en fait, je les ai mis dans le... Comment elles apparaissent dans la série, si tu veux, parce qu'au tout début du tournoi intergalactique, ah, elles sont comme ça, tu vois, on voit en fond d'écran, là. Enfin, derrière, oui, d'accord, voilà. Oui. Et elles apparaissent... En fait, les box apparaissent comme ça. Donc, d'accord. Bien sûr, ils n'ont pas leur armure, parce qu'elles sont sur elles. Enfin, sur eux, pardon. Mais là, t'as les boîtes, et je les ai mis dans l'ordre du manga et de l'animé. D'accord. Voilà. C'est beau, hein. C'est ouais, des c'est belles sympa. Pièces quand même. Non mais franchement, qu'est-ce que c'est beau. Et après, pareil, pour expliquer aux gens qui regardent la vidéo, comment j'ai fait, bah, t'as bien compris que là, t'as la partie Sanctuaire, Asgard, Poséidon, Hadès et Élysion. Avec, bon là, par... Alors Élysion, c'est enfin, on nous a perdu au bout d'un moment, on savait plus trop. Hein, puisque, en plus, de mémoire, ces séries sont sorties en même temps qu'il y a eu la nouvelle série... Avec des personnages qui soutenaient les nouveaux Saint Seiya, ils ont été nouveaux visages et tout. Ouais. Ils ont un peu, c'est un peu une période où ils ont tout mélangé en fait. En fait, ils ont gardé l'ancien design avec des nouveaux designs. Des... Ouais, enfin après ils sont partis un peu comme ce qu'on appelle sur des spin-offs. Donc du coup ils sont lancés sur plein de projets. Moi personnellement les Élysion je les ai vus, j'ai pas aimé, je préfère, faut le lire en manga. Hein. Personnellement Élysion c'est très mou, ça n'a rien à voir avec les années 80. C'est ça. Le dessin c'est très joli, mais l'animation, t'as l'impression que c'est que des plans fixes qu'ils ont fait suite des autres. C'est quoi l'idée là, ces codes d'Élysion, parce qu'on voit leurs armures un peu... C'est la version ultime, c'est-à-dire que... C'est des anges quoi, c'est... Non, c'est des armures divines. Ouais, faut, voilà, ouais, divine, ouais, pardon. Le sang d'Athéna, c'est compliqué, hein. D'accord. Le sang d'Athéna, qui sont devenus ensuite des armures divines. D'accord. Et en 2015, ils ont inventé ça pour les chevaliers d'or, et t'as les armures divines de 12 chevaliers d'or. Non mais sérieux. C'est un truc de fou. Et voilà. Donc ça c'est... Là j'en suis un petit peu fier quand même, c'est de pouvoir avoir... En soc. C'est quoi qu'on entend? Il y a un petit bruit. C'est la PlayStation. Tu peux l'éteindre, ça te dérange pas? Non, c'est juste une question de... Il y a pas de problème. De c'est ventilo. Et du coup... Et donc là, et c'est qui là en bas, là cela? Ça c'est Hypnos et Thanatos. Non mais c'est qui dans en gros dans l'idée, c'est les... comme personnage? C'est les dieux. C'est les dieux. Et ils sont au service de Hadès. Donc lui c'est le dieu du sommeil et lui c'est le dieu de la mort, je crois. Donc dieu de la mort. Ouais, dieu de la mort, ouais. Et Athéna avec sa... Parce que c'est pareil, quand on est petit, mais Athéna elle a pas d'armure. Alors si elle en a une armure divine, ouais. Et l'avantage c'est vrai que j'ai... Moi, mais c'est des jolies figurines quand même, hein. Ouais. Ah non mais pour autant, c'est ouais. Magnifique, hein, franchement. Ouais, ouais, disons qu'ils ont fait le taf quand même chez Bandai. Hein. Et là par contre, au niveau des tarifs, on est beaucoup plus cher ça que... Ça va, ça va. C'est... Bah... Non mais c'est plus les tarifs... Souvent les mid-clos, est-ce que je me trompe, mais les mid-clos, selon le personnage, selon les pièces, étaient plus chers que d'autres, non pas? Il n'y avait pas une histoire comme ça? Non. Il n'y a pas eu ça? C'est-à-dire que les mid-clos, à leur sortie, elles ont un prix. D'accord? Par exemple... Mais par exemple, le taureau qui est beaucoup plus grand que les autres, il n'était pas un peu plus cher? Oh, légèrement, mais... Ah, mais il y avait bien ça, c'est ouais, ça que ouais, je veux ouais, dire. Ouais, ouais. Par exemple, Thor, il est plus cher de base. Hein. C'est ça que je veux dire, voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Mais après, la rareté fait que... C'est comme pour le rétro. Tu as des figurines qui vont te sortir, aller à 120-130 euros. Et maintenant, elles atteignent 600-700 parce que c'est introuvable. Oui, voilà. C'est introuvable. Il y a des trucs, les chevaliers d'acier, alors c'est pareil. On peut regarder, mais les chevaliers d'acier, ou ceux-là, c'est un billet de 500. Pièce. Pas pièce. Les 5 blacks. Ouais, c'est là, 100 euros pièce, quoi. Voilà, voilà. On est à 500 euros. Le trio, c'était 500 euros. Maintenant, Bandai te dit, ah bah, je vais faire une revival.
Donc celle-ci, toute seule, avant la revival, c'était 240 euros à peu près. Ouais. Maintenant, Bandai va la rééditer, tu la trouves à 70 euros. Donc la cote, c'est complètement... Mais en fait, il casse la cote des collectionneurs. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Parce pour ceux qui ne l'ont pas. Moi je préfère qu'ils fassent parce que. Ça contente tout le monde. Bah voilà. Parce qu'il y a de la spéculation derrière. C'est ça le problème. Ils ont quand même un business. Donc eux ils se disent bah on peut. Après, je pense que. C'est nous qui allons rentrer de l'argent plutôt que les spéculateurs. Le problème, je pense que ils ont. Je comprends pas avec les EX. Parce que les EX ça vaut très cher. Hein, c'est 120, 130 euros. Une classique comme ça, allez, 40 balles. 40 euros celle-ci là? Ouais, 40 euros. Là, et encore là, il y a le buste, tu vois, parce que c'est pas la version d'origine, j'aurais mis des caps des EX, je les ai customisés. Ah, donc ça veut dire que fatalement, t'as acheté des EX? Non, j'ai acheté des caps. Parce que ça s'achète à part aussi. Ça s'achète à part. Il y a des mecs qui les mettent pas. Il y a des mecs qui font comme moi, ils peuvent acheter. Oui, quand tu dis qu'ils achètent à part, c'est-à-dire ça s'achète pas neuf, ça s'achète en occasion à part. De quoi les... Les caps. Ah non, ils sont dans les boîtes. Oui, c'est sûr, mais c'est les gens qui les vendent. Tu peux pas les acheter à part. Ah non, neuf, non, non, c'est non, ça que non, je veux dire. Non, excuse-moi. Ouais. Non, tu les gars les vendent parce que bah généralement soit ils font les doubles, donc comme moi, donc du coup le perso, la cape, ça t'en as pas besoin, oui. Ils te les revendent quoi. D'accord. Et du coup moi j'ai trouvé ça sympa parce que le lion il a pas cette tête là d'origine. Hein. Il est vraiment, c'est l'époque de 2003-2004 où ils ont des grosses têtes, oui. Ils sont vraiment pas beaux. Hein. Et du coup Bandai a sorti des bustes. D'ailleurs je dois avoir une. Et c'est laquelle après tu vas me dire. Que je les filme un petit peu là. Tu vois, ça c'est la Vierge, un buste de la Vierge. Tu vois. Bah là, j'en ai vu un tout à l'heure, un buste pour le coup. Il était. Il y en a un là. Ah voilà, là. Il a du mal à tenir, l'épaulette c'est encore barré. Parce que quand tu fais Senseiya, je vais le dire aux gens, ton meilleur ami c'est la pâte à fixe quand même. Ah, attends, je regarde un petit peu là les Poseidon. C'est vraiment très joli. Et après, vous inquiétez pas, on va passer. Il y a un peu du jeu vidéo, il y a du Dragon Ball. Ouais, Dragon Ball Z, j'ai vu ça. C'est marrant, tu les as mis sur des verres, mais c'est très joli parce qu'en fait c'est transparent. L'idée c'était d'avoir le chevalier et le signe derrière en armure. Ouais. Ouais, c'est un peu l'idée, ouais. Il y en a qui tiennent avec des verres parce qu'ils sont tombés. Bon, j'ai fait comme j'ai pu, mais. C'est très. J'adore. Vraiment, alors c'est une très jolie collection. Mais merci. Quand on l'a commencé dans les années 2000, cette collection des Mid-Close. On ne savait pas quand ça allait s'arrêter et ça n'arrêtait pas. Ça n'arrêtait ça toujours pas. Et ça sortait et ça sortait et ça sortait. Alors là, tu arrives à un niveau qui coûte cher au portefeuille. Ah oui? Moi, je les ai achetés à leur sortie, en double à chaque fois. Le Sphinx, j'ai dû payer 70 euros. Mais franchement, c'est des œuvres d'art, ces figurines. Ah, ils ont bien bossé, bon d'ailleurs. Ils se foutent pas du visage des gens, là. Non, mais franchement là. Après ils ont appris aussi, les premières figurines n'étaient pas très jolies, ils sont améliorés avec le temps. Mais ils taffent, hein. Ils taffent bien. Parce que là par exemple celle que je suis en train de filmer là, ça vaut combien à peu près celle-ci? Celle-ci elle vaut 130 euros. Aujourd'hui ou quand elle sortait neuve? Neuf, tu la trouves maintenant sur le site de Tamashi à 130 euros. D'accord. Par contre, la plus chère, ça doit être le Sphinx, qui est chiant à trouver. Sphinx et Papillon. Sphinx, moi j'ai acheté 70 euros à sa sortie. Elle vaut 260 balles. Ah ouais, c'est... Ça a pris une cote. Hein. Celles-là, elles sont pas héréditées. Alors si héréditées, bien évidemment, le prix va chuter. Mais les Hades, elles sont assez casse-pieds à avoir. Hein. Si tu les as pas eues à la sortie, voilà quoi. Alors, qu'est-ce qu'on aurait d'autre maintenant? Parce qu'on a vu pas mal Saint Seiya pour le coup, là. Bah Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre maintenant dans ta collecte, Nicolas? T'es, regardez les Saint Seiya en fait. Non, un dernier truc. Vas-y, je peux parler d'un dernier truc. C'est les variantes manga. Et vas-y. Je voulais juste te montrer un truc par rapport au vintage, encore une fois. Ah, en manga, vas-y. Ouais, en manga. Alors, est-ce que c'est là-dessus? Donc ça, c'est... Voilà. C'est les mangas français que je lisais quand j'allais bosser. J'avais 16-17 ans à l'époque. On était en 99-2000. Et en fait, quand je bossais l'été, il y avait un magasin, un Leclerc, un truc comme ça, à côté de chez moi. Et le midi, au lieu de rentrer, des fois, j'allais dans le magasin, puis j'allais acheter un sandwich, puis je lisais les mangas, tu pouvais les lire. Et c'est là que je me suis rendu compte, il y a un truc après Poséidon, mais je suis pas au courant qu'il y avait un truc après Poséidon, quoi. Et j'ai commencé à lire les mangas, c'est parce que c'est vrai qu'Hadès, alors pour le coup, Hadès existait en manga, mais il n'y a jamais eu la suite, en fait. Jamais. C'est pour ça que le dessin animé est arrivé dans les années 2000. C'est ça. Alors, je sais pas l'origine, qu'est-ce qui a fait que ça s'est débloqué pour lancer les 13 épisodes. Alors, ce serait la France, hein. Ah ouais? Ouais, ce serait la France, hein, qui se serait...
Et le voilà. Dessinateur, donc je me trompe, il avait fait un dessin animé, un petit court-métrage où tu voyais l'enfant en train de marcher et tout ça. Avec Jérôme Alquier. Jérôme Alquier. C'est ça, on a vu le même vidéo. Et la même vidéo, ouais. Ah non, j'ai pas vu la vidéo, moi j'ai suivi en l'époque, je sais pas s'il y a une vidéo qui est sortie depuis. C'est une vidéo, ouais. D'accord. Mais à l'époque, je me souviens, c'était pendant un salon, il avait montré cette. Alors ça avait fait un grand bruit et ça fait un boom dans le monde. Et là, je pense que les Japonais se sont dit « Ouh, on tient quelque chose là. » Moi, quand j'ai vu la vidéo, c'était très propre. Hein. Franchement, j'ai adoré. C'était du pur fan service. C'est ça. Alors, on la voit aujourd'hui, on se dit « Bon, c'est vrai que l'animation, c'était très simple, mais ça a suffi à… » Mais pour l'époque, déjà, c'était bien. C'est valait mieux ça que rien du tout, tu vois ce que je veux dire. Mais, et c'est peut-être donc Jérôme Alquier qui a… A priori, hein, c'est ce qu'on se dit. Est-ce que c'est pas une légende pour autant? Mais il y a quand même eu quelque chose qui aurait relancé toute cette hype. Eh ben tant mieux, parce que tu vois, depuis ça s'est jamais arrêté. Hein. Oui. Il n'y a plus jamais. Ça voudrait dire que c'est un Français qui a lancé toute cette hype, qui a eu toutes ces figurines, tout ce revival. Je pense que les Français, les Mexicains, les Italiens, on a quand même pas mal connu Senseiya hein, dans les années 80. On est des pays qui ont ça a bien tourné. Et c'est vrai que, bah tant mieux, hein, bah oui. Rico, hein, si c'est nous. Et tu disais alors, pardon. Et donc voilà, c'est ça qui m'a fait racheter les vintage. Que quand j'ai acheté le manga, j'ai commencé à lire la fin, du coup, enfin, j'ai vu à la fin, du coup, et là j'ai vu les premières boîtes. J'ai dit, ah, mais c'est ce que j'avais petit. C'est ça qui t'a tiqué. Et c'est ça qui m'avait fait aller dans le bureau de mes parents, rechercher la boîte du Pégase et tout réexposer. Et après, ça a été crescendo, j'ai tout racheté. Pour te revendre après, pour racheter des mid-close et pour te racheter enfin, la suite, quoi. Ouais. Pour revenir là-dessus. Et donc là, on a quelques variantes juste en Senseiya, rapidement. On a les. Donc là, c'est les Next Dimensions. Avec le 13e Chevalier d'Or. Alors lui, en mid-close, il coûte une blinde. Il sort en X. C'est quoi? C'est lequel Chevalier d'Or? Donc c'est les signes du zodiaque. Serpentaire. D'accord. Normalement, sa maison, elle est située entre le Scorpion et le Sagittaire. Enfin, c'est. Voilà. Donc ils ont inventé. Non, parce que j'ai vu une fois un reportage sur l'astrologie, et les mecs ils en parlaient, du 13e signe du zodiaque. Ah ouais? Ouais, je te jure. Donc c'est pas inventé par Kurumada, hein, c'est vraiment un truc avec le 13e signe. D'accord, lui, comme quoi. Voilà. Et par contre, tu vois là, alors c'est la suite officielle hein, de Senseiya, et on est en couleur. Et on voit bien sa patte hein, quand même. Hein. Ah oui, non, mais là c'est sa patte, hein, de toute façon. T'as également mon deuxième, on va dire, spin-off préféré. C'est les Lost Canvas. Ce qui se passe, c'est la guerre sainte avant. Alors, c'est ceux-là notamment qui ont. Là, c'est plus le même de Cara Design. Non, plus c'est, du tout. C'est ça un peu que je te parlais. C'est une femme qui dessine ça. Alors, je sais plus son nom. Hein. Mais l'histoire, j'ai adoré. Franchement, moi, j'ai aimé. Montre-nous vite fait un peu l'intérieur. Alors, tu vois bien, hein, c'est beaucoup plus mature, je trouve. C'est différent, c'est plus comics. Je sais pas. C'est plus actuel et c'est là que moi ça m'a perdu, c'est entre autres de ça que je te... Parce que ça c'est sorti en dessin animé aussi. Ouais, il y a eu deux saisons. Voilà, et c'est ça en fait, là on a commencé, ça s'est mélangé avec, avec le reste. Ouais, après les Senseiya, il y en a des... Il y a des variantes partout, là t'as les Senseiya G, c'est le premier, on va dire, la première série Senseiya G. Différent du manga original, parce que ça c'est un tome de 2004 je crois, je l'avais acheté en 2004 je crois. Du coup, alors ça c'est illisible, hein. faut s'accrocher pour lire ça. Hein. Et tu vois bien, c'est pas du tout. Mais c'est marrant, Nicolas, parce qu'en fait, t'es en train de me dire que finalement, tu lisais un peu les mangas, ouais, vite fait, t'en as pris un, t'as vu derrière le manga les figurines, ouais, et j'ai l'impression qu'après ça t'a mis dans une spirale où tu as regardé tout ce qui existait sur Senseiya, les figurines, etc. Bah là, oui, puis en fait l'avantage qu'on n'avait pas à l'époque, et ça tu vas pas me contredire, c'est 2001, 2002, 2003 avec le renouveau de Senseiya, est arrivé Internet. Donc oui, moi, Odin, tu découvres tout. Voilà. Les gens qui discutent sur les forums. C'est les forums qui te font apprendre des choses. C'est ça. C'est les sites, etc. Moi, Odin, je savais même pas qu'il était sorti en vintage à l'époque quand j'étais petit. Moi, pour moi, il y avait que les figurines de Leclerc du coin, puis terminé quoi. C'est ça. Et c'est vrai qu'avec Internet, on a permis. Tiens, ça c'est un. C'est une version Jap. Version Jap. J'étais au Japon en 2013. Et j'ai voulu le prendre, je l'ai jamais ouvert. D'accord. Le premier. Mais il est pas neuf hein, pour autant. Je pense pas, non. Ah non, c'est pas neuf ça. Non, mais ça, c'est reblisté ça. Ah ouais, voilà. Tu l'as payé combien? 280 yens, un truc comme ça? Oh, le 360. Ouais, bah voilà, c'est les tarifs. Non, c'est là le tarif. C'est là. C'est ça que c'est. C'est pas ça? Ah ouais, d'accord. Donc c'est pour ça, c'est un occasion.
Ah ouais, moi tu vois. Voilà. Bon. Mais ça, c'est, je recommande, c'est vrai, que d'aller au Japon, prendre quelques. Au moins, c'est cool quand même d'avoir le premier. Bah oui. Seiya, je pensais, je pouvais pas passer. Bah oui, c'est la base. C'est les origines. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre alors ? Alors là, bah. Juste pour finir encore sur des Senseiya peut-être. Mais oui, tant qu'à faire. Rétro. Donc là, c'est les jeux vidéo. Ouais, là, on va commencer à attaquer la partie rétro. Et beaucoup plus. Alors, rétro, jeux vidéo. Ouais, ouais. On va dire que. Alors, la collection rétro, le rétro gaming, c'est vraiment de, une collection de cœur. Tu verras jamais. Je vais jamais. Toutes les pièces, de toute façon, qu'il y a dans, ici, toutes les pièces, elles ont forcément. Une signification, un lien affectif ou autre, mais il y a forcément quelque chose. Bah, vraiment, parce que par exemple, là, je vais te prendre ces jeux-là. Ces jeux qui sont ici, c'est de la collectionnite, ça, pour le coup, parce que tu les as pas connus. Bah, justement. Mais c'est un lien parce que tu adores Dragon Ball Z. Ouais, et puis c'est surtout que c'est des jeux que j'ai toujours voulu avoir. Si tu veux, moi, je collectionne ce que j'ai eu, mais surtout ce que j'aurais voulu avoir petit. Oui, mais tu savais que ça existait, petit, par exemple, bah, c'est bah ouais, des dans BZ. Dans les consoles plus, ils les montraient. D'accord. Et moi, j'étais dégoûté parce qu'ils sortaient jamais. Eh, je me permets, regarde, je veux m'asseoir, je peux ? Ah, vas-y, ah bah oui. Comme ça, je fais des plans assis, trop bien. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a ici, alors ? Alors, bon, on va finir. Cette fois, c'est sûr, je te termine avec de Senseiya. Donc là, j'ai pas le full set, il m'en manque un. Ah ? Il m'en manque un, je sais pas si tu vois lequel ou pas. Bah, c'est le PlayStation. Ah non, le PlayStation, non. Il est là. Alors, celui-là, il existe sur PS4 également, le Soldier Soul. Mais on va alors, dire... celui-là, moi, je l'avais en japonais avec une Pandora Box pour le coup, celui-là. Ouais, 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 exact, ouais. Ouais. Non, il me manque, et c'est un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Sur PC est sorti un jeu Senseiya en 2003. Ah, d'accord, d'accord. Et c'est un jeu, ça n'a rien à voir avec du combat, c'est une espèce de. Il dit ça. Tactical. Typing. Typing. Tu dois taper. Ah, c'est comme Typing of the Dead, c'est Space Harrier où tu tapes. C'est du Naomi? Non, c'est pas possible. Non, alors. Non. C'est du PC. C'est du PC. Ouais, c'est en fait, ça. T'as des images fixes, je crois, ou très peu animées. Oui, puis tu tapes des textes. Ouais, ouais. Bah, ils ont fait pareil pour House of the Dead, pour et Space Harrier. Celui-là, il faudrait que je le chope pour le mettre dans, juste pour la collecte. Mais c'est pas non plus très cher. Hein. Non, je crois pas, non. Non, c'est pas... Tiens, celui-là, c'est pareil. Honte à moi, hein. Honte à moi. Mais alors le... Ah bon, si à ce point-là. Ouais, celui-là, donc c'est le celui d'époque. Donc tu vois, et honte à moi, pourquoi ? Parce que c'est une boîte repro. Ah. Et je vais me justifier pourquoi j'ai fait une boîte repro. Ah, tu as fait, c'est la tienne. C'est un copain qui me l'a passé. Parce que lui, il avait entre temps, il s'en était fait, il l'a racheté, il me l'a filé. En fait, celui-là, donc c'est, je le. Parce que c'est le tien d'époque dedans ? Je t'ai devancé. Voilà. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas le mien d'époque, il vient de chez Pierre. Que t'as été voir hier. D'accord. Il vient de chez Pierre. La notice, c'est la mienne. Elle d'accord. était dans la boîte avec les figurines comme ma mère. Ah, c'est juste la notice. La notice est d'époque. Mais le pourquoi j'ai. Alors, c'est une fausse boîte, hein, bien évidemment. C'est pas ça le problème. Le truc, c'est que celui-là, et petite dédicace à Stéphane, je le cherche, mais en mint. Et au-delà mais ça, vous êtes tous dans toutes les vidéos, je l'entends Stéphane. Ah, mais non, mais bah, je crois qu'il a marqué beaucoup de monde. Hein, non, mais Stéphane, si tu veux voir. Je pense que lui, c'est clair que pour avoir une collection comme ça, faut y aller. Hein. Mais je le cherche vraiment mint. Et au-delà de ça. Un blist, en blist. Ah j'en, oui. J'en connais qu'un calbis, c'est Francis Dugrenier. Bon, j'ai demandé s'il vendait, mais bon, je crois que c'est mort. Oh, bah en voyant ta collection, en voyant que t'es un très grand fan. Non, j'en ai parlé, parce qu'on s'est parlé sur Facebook. Il m'a dit, non, je pense pas, non. D'accord, essaye encore. Mais par contre, un qui est chiant à trouver, tu vois, c'est celui-là. Alors, je le rouvre. C'est celui-là qui est chiant à trouver. Sur Wonderswan. Wonderswan, ouais. Et sur celui-là, je l'ai réussi à le trouver dans les entrailles d'internet. Mais quand je dis les entrailles, c'est les entrailles. En plus, celui-là, il est pas exceptionnel, hein. Non, bah c'est le remake de celui-là et de celui-là. Ouais, il est pas. C'est vrai que pendant des années, toutes ces versions-là étaient un peu. C'était pas vraiment des jeux de baston. C'était... Non, c'est. Là, on est arrivé à des jeux qui étaient vraiment. Là, on est dans du vrai baston, quoi. Ouais. Disons que le. Ce qu'on a rêvé à l'époque. À l'époque, bah, l'espèce de jeu qu'ils ont fait là, où il a le mérite d'exister déjà, mais c'est pas évident. Je veux dire, alors si tu fais un jeu de plateforme, tu fais un run and gun, tu fais quoi avec un. Un jeu de bagarre tout simplement. Ouais, mais la NES. Soit un beat'em up, où ils se baladent dans la rue et puis ils donnent des coups, mais bon, là pour le coup, c'est vite fait parce que. Ouais. Voilà. Ouais. Non, mais un Street Fighter-like. Ouais, mais sur la NES. Non, je suis d'accord avec toi. Parce que quand la Super NES est arrivée, SNCS, c'est déjà mort. Surtout que là, en plus, il y a des petites séquences animées, entre guillemets. T'as ouais. t'as des... Bah, honnêtement, s'il faut y jouer, moi je vous conseille celui-là quand même en émulateur. Parce que tu le trouves en émulateur maintenant en FR. Tu peux y jouer en FR avec un émulateur. Parce que celui-là, il est. C'est que les Chevaliers d'Or.
c'est que les 12 maisons. Et c'est un peu mieux quand même. L'idée est le même, hein, c'est un peu au tour par tour. Il est un peu mieux fait. Le Game Boy, moi j'ai essayé, c'est poussif, hein, j'ai vite abandonné. D'accord. Et même, on va dire, les Sensei en général, même sur PS3, hein, PS2, c'est pareil, j'ai pas aimé. PS2, t'as pas aimé pour autant? Bon, j'ai acheté parce que... Mais ça va encore, ça va? Ouais, mais... C'est vrai que, alors, au-delà des graphismes, enfin, les graphismes sont très jolis et tout ça, mais c'est vrai qu'au niveau du gameplay, à un moment donné... Ouais, je sais pas. Mais je crois qu'on fait une autre fine bouche quand même. Hein. Ouais, en fait, tu deviens chiant. Quand t'es fan de CCA, tu deviens chiant. Ah ouais avec Bandai, tu dis, mais t'aurais dû faire ça, et pourquoi t'as... Et voilà, après, il faut contenter tout le monde. Puis, c'est quand même. Bandai, c'est une entreprise. Faut qu'ils gagnent de l'argent. Il y a du marketing derrière. Oui, il n'y a pas que les fans. Alors, on dit toujours, les fanservice. Mais finalement, il faut qu'ils se vendent le jeu. Donc, y a quand même, ça rentre quand même dans un bilan, hein, compte de résultats. C'est ça, bien sûr. Ouais. Tu vois. Donc, il en faut pour tout le monde. J'irais juste pour finir ça, c'est le meilleur, je pense. Bah, c'est quand même, ouais, Soldier Sold. Parce qu'il y a tous les personnages, il y a un peu tout. Et on est sur un espèce de système à la Naruto Ninja Storm, un peu en dessous, hein, vraiment clairement en dessous. Mais c'est un peu l'idée. On est quand même dans une arène beaucoup plus large. On n'est plus sur de la 3D pure comme le tout premier qui était sorti sur PS3. Là, on est sur du cel shading un peu. Oui. Et c'est très beau graphiquement. C'est sympa, ouais. Rien que pour le visuel, c'est. Moi, je trouve que ces jeux-là, ils sont tellement beaux. On se replonge un peu dans le dessin animé, je trouve qu'ils sont, ils valent le coup rien que pour ça quand même. Et franchement, celui-là il est à faire. Ouais. Franchement, pour celui qui aime bien Senseiya, même pour les autres, hein, celui qui aime bien Senseiya, moi je le recommande. Après la version PSP, j'y ai joué, enfin il est blisté celui-là. J'y avais joué sur un autre, chez un copain. Ça passe aussi, ça passe aussi. Donc voilà. Ensuite on a, alors on va attaquer le. Alors là on est Dragon Ball parce que Dragon Ball alors plus que Senseiya, non, quand même pas. Je sais pas. Tu préfères quoi entre Dragon Ball et Saint Seiya? Ça dépend à quelle période tu me prends. Si tu me prends entre 90 et 95, c'est Dragon Ball. Maintenant, je dirais plus Saint Seiya. D'ailleurs, ça va peut-être piquer les gens d'entendre ça, mais moi, l'âge d'or de Dragon Ball, pour moi, c'est 90-95. Voilà. Donc tu inclus Boubou dedans? J'inclus Boubou, c'est-à-dire l'œuvre originale. On est d'accord, mais moi, je crois que. Bah, moi, ça me choque pas. Ouais. C'est plutôt sage de le dire parce que c'est. Honnêtement, moi je m'affiche, c'est-à-dire que tout ce qui est venu après, donc GT, Super, Heroes, tu n'en verras pas ici. C'est mort. J'en veux pas. C'est le but, je te l'ai dit. Tu voudrais même pas un petit. Logiquement, il reste. Et je dois avoir juste un petit truc, mais je l'avais acheté pour faire plaisir à mon fils. Parce que on voulait faire marcher ce truc-là. Enfin, on a essayé de faire marcher. Ah oui, tiens, montre-nous ça. Je voulais qu'on le voit ça. Distributeur de cartes. Je crois pas qu'on a vu dans les jeux chez toi. Non. Alors c'est un distributeur de cartes d'époque de magasin. Alors ça faut savoir que c'est un truc qu'on allait quand on était petit, qu'on avait 12-13 ans, on est en 91, 92, 93, 94. Pour acheter des cartes Dragon Ball, moi il n'y avait pas 36 solutions, il fallait que j'aille dans un magasin du côté de Saint-Brieuc, donc c'était à 35 minutes à peu près de là où j'habitais. Et c'était des pièces de 5 francs, donc toute la semaine je mettais... Avec ce distributeur-là? Non, c'était un autre. Ah d'accord. C'était quasiment le même. Oui, mais parce que là c'est une version Jap. Ouais, au magasin c'était une version Jap aussi. Aussi ouais, donc ils faisaient de l'import alors? Ouais, ouais. D'accord, ah, bah, ouais, c'était un magasin spécial. D'accord, je croyais que t'allais au Franprix du coin ou un truc dans le genre. Non. Disons le problème à l'époque, et c'est encore pareil, c'est qu'à l'époque il n'y avait pas internet, il n'y avait pas tout ça. Toi à la limite t'avais de la chance, t'habitais Paris. Ouais. Donc toi t'as des trucs qui sortaient sur Paris. T'étais voilà, t'allais du côté de Jussieu, je m'en rappelle. Alors non, alors si tu parles Japanime, non, comme je l'ai déjà dit, il y avait Tonkam, il y avait éventuellement Jonku du côté d'Opéra, après t'avais Madoka, Katsumi, on avait plein de boutiques comme ça. Ouais. Nous, il y avait pas, on était en province, il y avait une boutique, c'était sur Saint-Brieuc. Donc, sachant que j'avais 12-13 ans, donc tu vois, pour y aller, c'était compliqué. Et quand j'y allais, bah du coup, pendant un mois, je mettais de côté les pièces de 5 francs. Ah oui! J'avais des pièces de 10 francs, bah j'allais voir des copains. Bah non, donne-moi deux pièces de 5 francs, parce que du coup, je pourrais aller m'acheter des cartes. Alors c'est con, parce que le mec, il vendait des sachets aussi, mais bon. Et ça coup, fonctionne comment alors? Alors en fait, tu mets une. Alors là, j'ai pas de pièces. Et quand on a déménagé, malheureusement, le mécanisme il a vrillé, je sais pas ce qui s'est passé. Ah. Et quand tu tournes, ça bloque. Faudrait que je me renseigne. En fait, faut que tu mettes une pièce et tu tournes derrière, c'est ça? En fait, tu mets ta pièce, tu tournes ici le bouton. Ouais. Quand j'enlève le classeur là. Montre-nous ça là. Hop, tu mets une pièce dedans, tu tournes et t'as la carte qui sort.
Et t'as la carte qui sort. Bah, comme c'est marqué sur le schéma, quoi. Voilà, ok. Et si t'as un bug, t'appuies là, ça fait ressortir la pièce. Voilà. D'accord. Et ça, c'est vraiment. Ça, c'est vraiment un objet qui me tient à cœur parce que c'est. Aïe, 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 aïe. C'est pas grave. Il tenait à cœur celui-là aussi. Bah, tiens, celui-là il est d'époque. Celui-là c'est le mien. C'est d'accord. Camion des Tortues Ninja. Désolé. Honnêtement, je crois que c'est la quatrième fois qu'il tombe cette semaine. Ah, d'accord. Donc, bon, ça blindé. Va. Il a connu. Alors, ça c'est pareil, hein, je pourrais t'en raconter aussi avec les Tortues Ninja, mais on va finir plutôt sur. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Ce serait pas marrant sinon si tout était programmé. Non, bah oui. Voilà, ce serait, il faut un peu d'imprévu. Donc du coup, et ça, pour moi, c'est vraiment l'esprit boutique. C'est-à-dire que tu as l'impression d'avoir une... Ah bah t'as oui. Ça, t'as l'impression d'avoir une partie de la boutique chez toi. Bah c'est comme si quand t'as une bande d'arcade qui est censée être que dans une salle, c'est des choses que tu ne dois pas avoir normalement. Et, si tu fais le tour de la pièce, c'est un peu l'idée que j'essaie de faire de la pièce. C'est d'essayer de reproduire... À ma manière, quelque part, un espèce de magasin japonais, magasin japanime, tu vois, quelque chose. Alors là, tu as ici, en fait, tous les posters qui ne sont pas des posters qui étaient vendus dans le commerce, mais qui étaient là pour faire la publicité. Alors en fait, là, t'as des sorties des films. Voilà. T'as tous les films, d'accord. À part si tu prends en compte le père de Son Goku, Bardock, et le retour de Trunks. Toi, tu dis Bardock, toi? Bardock, ouais. Comment ça se dit? Ouais. Bardock. D'accord, non mais ouais, je sais pas. moi je dis Badak, c'est pour ça que je dis ah ça. Ah ouais, effectivement, ouais. Ouais. Et là normalement. Badaku. Et là normalement, c'est vrai que et un truc qui est un peu dingue aussi, c'est comme tu peux le voir pour les Senseiya, j'ai trouvé ça en vide-grenier, 1€ les trois, le mec s'en débarrassait et je suis revenu à la VHS. Ah mais c'est la base. C'est pareil, tu les regarderas jamais les films sur VHS. Ah bah si, moi je l'ai dit dans le Unboxing Story 2. Ah bien sûr. Moi c'est pour avoir l'objet d'époque. Et moi honnêtement, je suis pas très loin de me tâter à les reprendre en VHS, les Japs. Alors tu sais, c'est marrant que tu dis ça parce que là j'aimerais les avoir en VHS. Ah toi aussi? Oui, j'aimerais bien les avoir en VHS. C'est pas courant en plus hein. Non, et bah figure-toi que celle-ci... En VHS, bah bon courage pour les trouver. Les Dr. Eggy. Alors je sais pas si t'as un autre nom pour celui-là. Alors c'est, oui, c'est Dr. Eggy, exact. Ouais, Dr. Eggy. En fait, effectivement, à la base, ça c'est un dessin animé. Ouais, qui est la solution de ce jeu vidéo-là. Qui est la solution de celui-là. Ouais. Et bah pour trouver en VHS, bon courage. J'ai pas trouvé. J'ai déjà trouvé, mais ça vaut très cher. Mais au Japon par contre. Hein. Ça vaut combien? Oh bah ça vaut une centaine, un peu plus d'une centaine d'euros. Ah, ça va. Mais alors, par contre, une VHS, tu parles de VHS, mais le défaut au Japon. Toutes les VHS, la quasi-totalité des tranches sont sun-fed. C'est comme ça au Japon. La plupart des VHS que tu peux trouver auront souvent une tranche sun-fed. Alors là, pour le coup, ce sont des reproductions, pour le coup, oui, tout à fait. Oui. Des posters. Oui, mais je voulais absolument tous les films. Alors moi, je les ai, tous ces posters, quasiment. Celui-là, c'est le mien d'époque. Hein. D'accord. Celui-là, c'est pour celui du film. Du film, ouais. Celui-là, c'est le mien d'époque. Le Gogeta est d'époque aussi, là-bas. D'accord. Après j'ai vraiment fait tiens un truc, c'est pareil ça, c'est les Weekly Shonen Jump. Et je pense pas qu'on en ait vu, on en a vu déjà dans les jeux bien chez toi. Non. T'en as en vrai? Quand j'étais au Japon en 2013, j'en ai acheté un. Alors, explique-nous un petit peu, ça c'est bien d'expliquer aux gens. Bah l'idée c'est en fait c'est tous les semaines, les Japonais ont la suite de leur manga. Alors tout n'est pas publié dedans bien évidemment, mais il y a des mangas, il y a des thématiques. Et c'est par chapitre, parce qu'il faut savoir qu'au Japon, les mangas, ça marche par chapitre. Et en fait, du coup, donc là, moi je l'avais pris pour Naruto, pour avoir la suite. Ça vaut rien en plus. Ça vaut rien, ça vaut rien. Bon, c'est bien évidemment comme en noir et blanc dans les mangas. Hein. Mais ça, généralement, ils s'achètent ça une fois par semaine pour avoir la suite, parce que les... Avant que le manga soit fait. Voilà, c'est ça. Avant que tu relis plusieurs chapitres pour faire un manga. Un manga. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il y a plein de séries qui sont lancées. Ouais. Et qui ne voient plus le jour parce que très rapidement elles sont arrêtées parce que les lecteurs disent ah ça me plaît pas et en fait c'est des projets mort-nés. Ouais, c'est dommage parce que des fois il y a des très bons très bons mangas, tu commences à les lire et c'est fini. Et c'est pour ça qu'en fait c'est ça au Japon, c'est gros pavés. C'est les journaux en fait, c'est comme des journaux. Juste te montre quelque chose, ça c'est un sac d'époque, tu vois, des boutiques. Alors c'est tout con hein. Mais ça c'est pareil, oh là là, mais ils faisaient de la Néo eux. Il faisait de la Neo Geo. Et ben, c'est là où j'allais en 92 acheter mes trucs. Mes Super Nintendo, mes jeux Game Gear, mes cartes Dragon Ball. Mais ils faisaient de la Neo. Ils ont le Kizuna Encounter ou pas? Et je pense, c'est encore tout con, c'est pareil, mais regarde, ça c'est. Tu vois, ça c'est le sac qu'a acheté la Super. Ah, Super Nintendo? Ouais, c'est le. Quand j'ai acheté ma Super, c'était le sac des pop-up. Après ils sont passés jouer club. Voilà, interlude. D'accord.
Et ça, c'est celui-là, voilà, c'est tout con. Tu sais que t'as eu ta Super Nintendo dedans. Voilà, disons que c'est... J'ai retrouvé ça, mais pareil, hein, dans les... Mais moi, j'ai eu la même chose, hein, je peux voilà, te dire que... Je trouvais ça sympa de les garder, je dis, c'est dommage de les balancer. Et voilà, juste pour en revenir, on était où? Donc, sur les cassettes vidéo. Ouais, donc... Alors, tu sais que là, il reste une dizaine de minutes. Déjà? Ouais, t'as vu comme quoi? Bon, on va faire vite. Un petit peu plus, allez, si éventuellement. Alors, qu'est-ce que je pourrais te montrer? On était parti sur les Dragon Ball, donc les cassettes, etc. Donc alors oui, donc les posters pour le coup. Les posters. Et là, c'est en fait tous les jeux que t'as là, c'est des jeux qui me tiennent particulièrement à cœur. Et bien évidemment les Dragon Ball. Parce que ça, j'en ai rêvé. Hein. Franchement, les alors ils sont tout pourris en fait les deux RPG. Mais moi, je savais pas. Mais alors, celui-là, c'est un RPG. Et celui-là en fait, ça, c'est pas vraiment des RPG, c'est pas vraiment, c'est des romans photos. Oui, c'est des romans. Bah, t'as des photos et puis tu choisis un texte. Ouais. Bah, honnêtement, ça aurait fait un flop si t'es sorti en France. Tu penses? Bah, je pense. Ouais. Bah, même la licence Dragon Ball, même moi, quand j'y ai rejoué, parce que t'as les romans traduites en FR. Mais le premier, ils auraient pu le sortir quand même. Hein. Il était jouable, mais c'était sur le même système que ceux de la NES. C'est-à-dire, je crois que celui-là, oui, c'est ça. C'est un truc de cela, je sais c'est plus. C'est dans le genre, voilà. Voilà. Et ça, moi, ça m'a fait kiffer petit. C'est surtout que c'est joli de voir ça comme ça là, tous les jeux, c'est très coloré. L'avantage au Japon, c'est pareil, t'avais ce genre de truc. Les guides. Ah ouais, j'adore les guides. Franchement, il y en a plusieurs, tu vois, que Dragon Ball, mais j'adore les guides. Et c'est pareil, un truc qui m'a choqué quand j'étais au Japon. C'est la qualité, mais alors la qualité de conservation des jeux. Ah oui, mais ça, c'est commerce. C'est propre au Japon, ça. Ah ouais, mais au Japon, moi j'étais super étonné quand j'ai été sur Akihabara, Super Potato, tout ça. Bah, quand tu prenais les jeux en boîte, mais ils sont pas abîmés, ils sont neufs. Tu sais pourquoi un peu pour le coup? En fait, au Japon, les gens qui achètent souvent ouvrent, et c'est un peu comme ça que je fais, ils prennent leurs jeux. Enfin, la boîte et le truc, ils rangent et gardent la cartouche. Parce qu'ils ont cette vision-là aussi. Ouais, ouais. De la revente. Ils sont pas très conservateurs, les Japonais. D'accord. Donc, ils savent très facilement, enfin, ils savent rapidement qu'en fait, ils vont le revendre. Donc, ils. Voilà. Ils ont c'était parce qu'au Japon, quand vous achetez un jeu, quand t'as un jeu, il y a écrit A, B, C. Alors, il y a la cartouche A, B, C, la notice A, B, C, la carte A, B, C. Et t'as un tout petit sticker, un petit autocollant, ouais, qui te donne la note. Et ça, c'est de tout temps. D'accord. Ce qu'on voit nous sur eBay, Near Mint, Mint, etc., on donne des grades. Au Japon, ça a entre guillemets toujours existé. Alors j'imagine que. T'imagines le truc, il y a une petite rayure. Déjà, direct, il perd la carte. Alors je vais te dire, moi j'ai acheté un jeu un jour au Japon, sur Famicom. J'ai complètement le nom, le jeu d'ARM là, avec le robot, là, ça me bug. Ouais. Vous le voyez en incrustation. J'étais avec des potes et le jeu il disait qu'il avait un défaut. Je lui ai demandé de me le sortir, je l'ai regardé, il était en super état, et à un moment donné, je leur dis, mais regardez, et le vendeur lui-même, il était bloqué, il était en train de dire, mais qu'est-ce qu'il a le jeu, il a pas un problème, il est nickel. Et en fait, en tournant en dessous, on a vu que c'était un peu Sunfed, a priori, et il s'est rattrapé sur ça, il dit, ah, Sunfed. Ouais, ouais, et moi, je lui ai dit, ah, ouais, d'accord, ouais, Sunfed. Mais moi, je regardais après le Sunfed, c'est con, parce que j'ai plus le titre en tête, c'est le jeu avec le mecha qui se traverse, de toute façon, vous avez l'incrustation. Mais bon, mon état, il est en parfait état, quoi. Ouais, mais c'est impressionnant, franchement. Alors qu'eux, ils estimaient qu'il avait un petit défaut. Ouais, j'ai vu ça, et pareil, mais pour des trucs, hein, genre, à l'époque, c'était une des PSP, mais juste parce que il y avait une rayure sur la carrière. Tu divisais le prix par je sais pas combien. Ouais, c'est ça. Ben, c'est pour ça qu'en fait ils font très attention en ayant cet aspect-là dans leur tête en se d'accord. Disant plus ils seront en meilleur état, mieux je leur vendrai. Je sais que et plus cher surtout. Ceux qui voient la vidéo encore une fois, hein, s'ils vont au Japon, s'ils prévoient un voyage au Japon, soyez pas étonnés de l'état de la qualité d'état des jeux. Hein. Ouais, c'est clair. Des fois, on se dit, mais ils sont neufs. Non, ils sont d'occasion. Mais ils sont très très bien conservés. C'est ça. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, donc t'as vu du DBZ. Les DBZ, alors normalement il m'en manque un avant celui-là, il y en a un qui est sorti avant celui de la NES. D'accord. Je sais plus sur quelle console, il en manque un. Rapidement. On voit qu'il y a le Player One parce que c'est la couverture ouais, DBZ. Bah, voilà. Alors celui-là, tiens, on parlait tout à l'heure, ça prend feu. Oui, tu alors le deuxième. Tu te rappelles? Eh ben c'est ce jeu-là. Et alors ce jeu-là, je voudrais prendre juste 2 minutes pour en parler parce que c'est un jeu qui m'a marqué petit. Hein. D'accord. Mais il est bon. Il est bien. Il est très très bien. Alors le premier, donner les bases,
Et celui-là, il a vraiment amené du pur fin de service, quoi. C'est-à-dire que t'avais des Kamehameha qui faisaient carrément la taille de l'écran, t'avais des nouveaux personnages. Bah, je crois qu'il y a. Est-ce qu'il y a assez de Broly ou Bujak qui sont dedans ? Les deux ? Les deux, c'est les ça. Deux. C'est pour ça que je te dis, c'est du pur fin de service parce qu'on est sur des films, on n'est même plus sur la série. C'est ça. Donc, toi, t'es gamin. Honnêtement, on remet encore une fois dans le contexte. On est en 91-92. Donc, celui-là est sorti en 94 de mémoire. 94, juin 94, et pourquoi je te dis juin 94, parce que les premiers scans que j'ai vus, c'était dans Console Plus, on était au mois de novembre. Je venais juste d'avoir celui-là. D'entrée de jeu, Console Plus me montre les photos de celui-là, avec la Cosmo Energy, les Kamehameha qui font tout l'écran. Je peux te promettre, toute ma vie, j'ai jamais autant entendu un jeu de novembre à juin. Ah ouais ? Ah, c'était un truc de fou. Je m'en rappelle très bien. Il devait sortir un mercredi. Je dis à mon père, tu as moyen de t'arrêter au Jouet Club du coin ? Au fameux magasin où j'avais pris la Super pour aller voir, du si tu veux. Donc, alors le mercredi, je te raconte pas, hein, j'ai rien fait de la journée, j'ai attendu toute la journée du mercredi, j'ai pas fait mes devoirs, j'ai rien fait, j'ai attendu. Il arrive le mercredi soir, alors forcément je vais le voir, il me dit bah je suis désolé, il y en avait pas. Je dis c'est pas possible. Du coup, j'attends jeudi, vendredi. Samedi matin, je dis bon, peut-être on peut peut-être aller voir au Jouet Club, ouais, on va y aller. On reçoit un coup de fil. Et en fait, un copain m'appelle. T'as eu ton jeu ? Ah non, je l'ai pas eu. Bah moi je l'ai. Bah moi je l'ai, c'est génial. Alors là, j'ai dit à ma mère, on y va, on retourne. Et il y en avait plus. Attends, on retourne au Jouet Club. Ah non, j'ai pas le temps, j'ai le ménage, vas-y avec ton père. Donc, mon père, il était monzi. Hein. On y va, on arrive à 14h pile à l'ouverture du magasin. Je rentre dans le rayon, je vois la vitrine Super Nintendo, avec des blistes. Pas de Dragon Ball. Et voilà. Il m'a dit, le gars, je me suis fait dévaliser. Mais oui, dévaliser. Mais ça à l'époque, c'était... Et en fait, merci à mon père, le mercredi, il a été le réservé, en fait, en disant, dès qu'il y en a un, vous en mettez un de côté. Donc là, le gars était derrière, il a été dans sa réserve, il est ressorti avec le Dragon Ball dans les mains. Et je peux te dire, j'ai passé un très bon week-end. Surtout que Et tu l'as aimé pour autant, le jeu ? Ah ouais, ah bah ouais, il y a un mode histoire au moins dans celui-là, parce que là c'est un peu de l'arnaque quand même. Hein. Ouais. Mais le mode histoire terrible, il y a Broly, Bojack, tu te refaisais tous les trucs. Voilà, sachant que il y avait un petit peu de spoil quand même pour ceux qui n'avaient pas vu l'animé. Donc, mais bon, en tout cas, ce jeu-là, c'est vraiment. Alors, je regrette, c'est pas le mien d'époque. Mais c'est l'aspect sentimental de l'histoire que tu as eu avec ce jeu je me rappelle trop. Oui, mais ça veut dire que finalement, si ça brûle, tu peux le récupérer celui-là une autre fois. Voilà, que le Pégase, je peux pas. Ah voilà, donc c'est pour ça que c'est pas. D'accord. Voilà. Et donc voilà, après on va. Alors j'ai vu vite fait là, c'est bien parce que tu as mis la Super Nintendo, donc la Super Nintendo version européenne d'une certaine manière, la version US, elle ressemble à rien, moi j'ai jamais aimé, avec des couleurs de boutons différentes. Et en plus des boutons, si vous regardez bien la version US, là en fait c'est enfoncé et là c'est enfoncé, et pas toutes. Non en fait c'est juste parce que j'ai enlevé le circuit dedans pour pouvoir la. Non mais même le bouton lui-même. Ah oui d'accord. En fait on le voit bien en fait. Je parle pas que ce soit enfoncé mais en fait le bouton comment il est fait. D'accord. Et là on a donc une Super Famicom comme la version japonaise qui est sensiblement la même avec. Celle-là vient du Japon, je l'ai acheté aussi là-bas quand j'étais en 2013. Je me suis dit, je vais au Japon, la première chose que je fais, et je me suis mis au rétro gaming sans savoir qu'il y avait du rétro gaming en fait. D'accord. C'est-à-dire que moi, quand j'y étais en 2013, je m'étais mis en Tu savais pas que le rétro gaming existait ? Non. Tu suivais pas cette vague ? Pas du tout. D'accord. C'est-à-dire que moi, j'avais prévu d'aller au Japon avec un copain de boulot, on s'est dit, on va y aller. Et donc du coup, pour me remettre dans l'ambiance, quoi de mieux que de retaper tous les Captain Tsubasa d'époque. Ben d'époque, oui. Hein, pas les nouveaux. Hein. Donc on s'est refait tous les Captain Tsubasa. Et du coup, en dessin animé, tu parles en là. En dessin animé, ouais. Et parce que moi, je suis très nostalgique du Japon des années 80, 90, tout Club ça. Club Dorothée, quoi. Voilà. Là, les vrais. Puis alors, autant Dragon Ball, Senseiya, bon, c'est Japon. Mais alors celui-là, tu vois vraiment les gens dans leur vie japonaise courante, etc. Donc j'adore ça, moi. Et du coup, la première chose que je me suis dit, mon collègue c'était pareil, il s'est dit, bah, la première chose que je fais quand j'arrive, c'est de me prendre une Famicom avec les jeux Captain Tsubasa que j'ai jamais pu me payer. Ah oui. On arrive à Super Potato, magasin de rétro, et alors là, ça a commencé là. J'ai vu tous les DBZ, je me suis dit, non mais c'est pas possible, c'est ceux que j'ai vus quand j'étais petit, qui n'étaient jamais sortis en France. J'ai vu bah, les Dragon Quest, qui sont pas formidables, hein. J'ai essayé de les faire. Alors pas en JAP bien sûr, mais en émulation encore une fois avec la ROM en FR. Je les ai pas trouvés, mais moi ça je trouve que ça pète. Voilà, des jaquettes comme ça, et c'est du Akira Toriyama. Bah mais oui. Voilà.
En fait, oui, donc c'est bien ce que je disais, en fait, ta pièce, c'est en fait, il y a du jeu vidéo, mais en partie, conditionné par le dessin animé. C'est ça. En gros, c'est ça. Et c'est vrai que quand j'étais au Japon, quand je suis revenu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à exposer ce que j'avais ramené. Et puis du coup, j'ai commencé à chercher d'autres pièces parce que j'avais pas tout pu acheter. Puis du coup, je vois le terme rétro gaming. Du coup, je vois des choses, je commence à avoir des collections de rétro. Je me dis, mais c'est dingue, c'est énorme ce qu'il y a. Du coup, j'étais dans mon grenier, j'ai ressorti ma Saturn, la Dreamcast d'époque. Ça, c'est ma Dreamcast, ça, c'est mes Shenmue d'époque. Tu vois, c'est les tiens, ça. Ça, c'est les miens, je les ai achetés neufs. Donc c'est vrai, parce qu'en fait, l'idée de faire une pièce de collection, elle est arrivée petit à petit alors. Voilà, c'est ça. C'est au départ, c'était une collection Senseiya. Senseiya Japon, Dragon Ball Japon, etc. Et après, c'est parti sur le rétro. Et en fait, c'était un peu la même idée que les figurines, c'est-à-dire que ce genre d'objet, tu t'en as rêvé quand t'étais plus jeune, t'as jamais pu l'avoir parce qu'il fallait passer par l'import. Et moi, mes parents, ils étaient hors de question d'acheter. On a tous été comme ça, en fait. Hein. J'étais un peu frustré de jamais pu avoir ça. Donc la première chose que j'ai pu faire quand j'ai pu, me dire quand je suis arrivé dans le truc, je me racheter des choses que j'ai jamais pu avoir. Et du coup. Et ça, tu vois, on est en Saturn, la version Saturn qui est la meilleure en version 32 bits celle-ci, que la PlayStation. Ça, c'est un jeu que je rêvais d'avoir, j'ai jamais pu l'avoir. La seule façon de l'avoir, c'était dans les magazines. Mais sinon, mes parents voulaient pas le prendre parce que c'était en import, fallait déjà une console Jap. Il était interdit d'acheter autre chose que dans les magasins du coin, quoi. D'accord. Donc du coup, il y a une certaine frustration quand j'étais jeune, tu vois, et c'est un peu pour tout le monde aussi. On est un peu tous comme ça, c'est-à-dire qu'on a pu. Par exemple, je dis une bêtise, mais par exemple. On a acheté celui-ci, ouais. Ben, on pouvait pas s'acheter celui-ci, mais on le voyait dans les boutiques. Bon, ouais. Maintenant qu'on est adulte, eh ben, on rachète celui-ci et celui-ci, même si on l'a pas connu. Voilà, c'est ça. Parce que le fait de ne pas l'avoir eu, on le voyait quand même dans les vitrines. Exact. On le voyait dans les magazines. On n'avait pas l'argent pour en acheter deux, mais le deuxième, on le voyait pour autant et on aurait aimé l'avoir. Exactement. Le seul que j'ai pas connu, j'ai connu les trois là, celui-là. Il est sorti après la version PS1. Oui. PS1. Oui, non, c'est vers la fin ça. Et quand tu as joué à la PS1, alors déjà sur PS1, il est limite. Mais moi j'avais déjà vendu la Super NES pour acheter une PlayStation, je veux dire. Et du coup, je pouvais pas y jouer. Et puis quand t'as passé sur la PlayStation 1. Bah, le hyper dimension, mais il est beau en plus, il est génial celui-là. Le seul truc, mais alors franchement, je suis hyper déçu, c'est que t'as pas le Super Saiyan 3. Tu l'as que en version. Quand il fait un Meteor Smash, il apparaît quelques secondes et après il s'en va. Mon perso préféré, mes deux persos préférés, c'est le Super Saiyan 3. Et je dis bien 3 et pas Broly. Et Broly, pardon. Mais pas le Super Saiyan normal ou quoi que ce soit. Parce que, attends, le Super Saiyan 3, remets-moi, il est dans ton époque 95? Oui, parce que c'est à l'époque de... Oui. En fait, le Super Saiyan 3, c'est l'époque où... C'est pas avec le film, là, c'est le fameux film... Non. Pareil, j'étais en 6e... 5e, j'étais en 5e, je descends du car. Un mec qui habitait Saint-Brieuc, lui il allait au magasin, il habitait à côté, donc il allait chercher les mangas. Il me met ça devant les yeux, il me dit tiens, Sangoku il a les cheveux longs. Je dis Sangoku il a les cheveux longs. Nous on était à la version 1, hein, d'accord. Il était même pas contre les cyborgs. Il me dit il a les cheveux longs, il se transforme. J'ai raté quand même. C'est ce que je dis souvent en fait, dans les mangas on avait déjà à l'avance. Et ben voilà, et il me montre ça. Moi, je prends une claque monumentale parce que bah du coup on était sur. Et en plus tu te dis, il te ment, mais comment il peut savoir, attends, c'est impossible. Le Super Saiyan 3, il est où? Tiens, il est là. Voilà, il est là, il se transforme. Il est là, le Super Saiyan 3. Voilà. Et là, ça, c'est le premier dessin. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont repris d'une certaine manière. C'est la première fois que j'ai vu le Super Saiyan 3. Et là, je suis resté scotché toute la journée. C'était le futur. C'est le futur. Non, mais c'est-à-dire que c'était quelque chose que tu t'allais dans le futur là. Et là, tu fais, mais c'est pas possible. C'est génial. Alors voilà, maintenant, c'est vrai qu'avec Internet, t'as les scans toutes les semaines. Mais à l'époque, ça existait pas. Mais c'était ça, on avait ça en avance, en fait. Et tu vois, j'ai toujours regardé. Ceux-là, c'est les trois derniers que j'ai eus. Et donc, juste pour en finir, et un peu déçu. Alors déjà, celui-là, je pensais qu'il serait dedans. Ils auraient pu le mettre. Et non, ils ont mis Trunks du futur. Donc, ouais. C'est pas grave. Voilà. Mais un peu déçu. Et c'est vrai que quand il est sorti sur PS1, le Dragon Ball, tu peux venir voir ici. On se bouge tout ça. C'est vrai que là, il est clairement sur la jaquette, et là, voilà, vraiment, vraiment content. Quoi. Tu préfères lequel des deux? Moi, je préfère celui de droite. Celui-là? Ouais. Ouais, moi aussi. Parce que j'aime bien le fait de, enfin, comment il est. Alors, le premier, c'est un Street Fighter style. Alors, les personnages sont très beaux, mais il n'y a pas de mode histoire, et c'est un mode 3D tout pourri. Ouais. Honnêtement, j'ai pas. Alors que celui-là, pour le coup,
Celui-là, c'est on est vraiment, ça, voilà. Ça tourne, on se balade. Voilà. Enfin, c'est. Il est un petit peu pixelisé, mais bon. Ouais, c'est... ça a son charme. Mais moi, j'ai passé plus de temps sur celui-là que sur celui-là. Hein. Ouais. Sachant que celui-là aussi, je l'ai attendu longtemps. Je l'ai attendu longtemps, rien que pour jouer au Super Saiyan 3. Et bon, le dernier, on n'en parle pas parce que c'est vers la fin de Dragon Ball. Je te dis, moi, Dragon Ball, l'âge d'or, c'est 90-95. 96 déjà c'était fini, on est arrivé sur le GT, c'était autre chose quoi. Ouais. Donc voilà. Et là t'as des jeux. Alors. PlayStation. Ouais, mais voilà, le truc c'est que le Suikoden 2, il vient du même endroit que le Senseiya boîte, de la boîte Senseiya NES. D'accord, c'est un pote qui te l'a passé. Ouais, c'est du fake. Okay. C'est-à-dire, moi, lui, par contre, il les a rachetés. Hein. Lui, il les a rachetés. D'accord. Par contre, il m'a dit, bah, moi, j'avais. En fait, l'idée, c'est lui, il s'imprime des fausses boîtes, et quand il a le jeu, il l'enlève. D'accord. Et il me dit, il en avait une pile, tu mets ça à la poubelle, il me dit, bah, je m'en servirai plus à rien. Je lui dis, bah, file-les-moi, ça me servira pour la PlayStation. Parce que je suis pas. Pour moi, la collection, c'est. Allez, 88, 95, pour moi, la PlayStation, c'est déjà trop tard. On va dire les premières années de PlayStation, je vais bien collectionner, mais après, juste la PS2, c'est parce que j'ai trouvé en vide-grenier. Ouais. Ça, c'est du vide-grenier. PS3, parce que j'y jouais. Le pack, ça, par contre, c'est pour la collecte. Perso, je l'ai trouvé sur un. T'as l'air d'aimer Metal Gear, ouais, j'aime bien. Je les ai tous faits. Je les ai tous faits. Sachant que ma console de cœur, ça reste quand même. Ça va piquer pour certains. Ma console de cœur restera la PlayStation 3. Eh mais tu sais que moi j'aime beaucoup la Xbox 360, cette génération, j'adore. Eh ben, tu vois. Mais moi j'adore cette génération de consoles. Je vais te dire pourquoi, parce que la NES, la Super NES, c'est des consoles de frustration. C'est-à-dire que je les ai eu petits et on n'avait pas beaucoup de jeux. On avait, comme tout le monde, un jeu à Noël, un jeu à l'anniversaire, puis un jeu quand tu passais peut-être en classe supérieure, max. Ouais. Et moi je voyais tous les consoles plus, j'ai dit, moi je voulais ce jeu-là, bah ouais, mais ça coûte trop cher et tout. Donc Super Nintendo, c'était un peu plus avancé, donc tu pouvais t'échanger avec les gamins, avec les copains et tout. Mais là, la NES, c'est pareil. Ça, mais j'ai pas eu beaucoup de jeux, donc je peux pas dire que c'est une console de cœur, c'est une console de frustration. D'accord. C'est la première que j'ai eue. Hein. De frustration. Ouais, moi j'appelle ça la console de la frustration. C'est-à-dire qu'on peut pas tout avoir. Et là, ça veut dire que la PlayStation 3, pouvoir d'achat. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que moi, rapidement, j'ai arrêté après la PlayStation 1 parce que, bah, forcément, comme beaucoup, j'ai vieilli. La console, c'est les copains qui ont remplacé, la mobilette, le sport, les filles, le bar, le billard, tous ces trucs-là. Et c'est vrai que les samedis soirs, bah, plutôt que de rester tout seul devant ta console, quand t'as 14-15 ans, bah, tu t'aimes bien faire aller voir les copains, tu vois, ces trucs-là. Donc après, j'ai arrêté de jouer pendant un bon moment. Je me suis quand même pris une Dreamcast pour les chiens de mou. J'ai juste acheté la Dreamcast pour les chiens de mou à l'époque, hein, en 99. D'accord, ok. 2000-2001 plutôt. Et après, j'ai arrêté de jouer parce que je suis parti en études supérieures. Pendant 5 ans, j'ai arrêté. Et quand j'ai eu ma première paye, j'avais fini mes études. La première chose que j'étais faire, c'était m'acheter une PlayStation 3. Et je me suis refait tous les Metal Gear. Enfin, tous les Metal Gear. Je me suis refait le 2 et le 3. Alors, comment tu appelles la PlayStation 3? On va se laisser tout doucement d'ailleurs. Hein. Ouais, ouais, la PlayStation 3, alors c'est quoi? C'est la console de quoi? Du pouvoir d'achat? De l'opulence? De la. Ouais, je sais pas comment on pourrait dire ça. De la non-frustration, alors. Voilà. Non-frustration. Sachant que la Neo Geo, c'est pareil. On finit juste là-dessus, la Neo Geo. Quand même, pour la collection. Ça, c'est. Pour dire qu'il faut en avoir une. Ouais. Normalement, sa place, elle est pas là. Elle est en vitrine. Ah. Comme la Duo R. Alors, j'allais venir là. Je pense que tu l'as acheté que pour DBZ. Exactement. Alors. Je l'ai pas acheté. On te l'a offerte? Je l'ai échangé. D'accord, mais c'était pour pouvoir jouer, enfin pas forcément jouer, mais te dire que tu as la console avec un. C'était, en fait, ça c'est une console pareille. J'ai rêvé de l'avoir. La Neo Geo, je l'ai rêvé de l'avoir. Donc la première chose que j'ai fait, c'est d'essayer d'en avoir une quand j'ai pu avoir l'occasion d'en. Sachant que la Neo Geo, je l'ai pas payée ni la Duo R. Ah bon? Non. C'est joli ça, c'est bien ça. Je l'ai, en fait, quand j'ai acheté une Super Nintendo, c'est un gars qui me vendait la Super NES. Et il m'a dit, bah, je discutais avec lui, il me dit, ouais, j'ai ça, enfin, c'était sur Facebook. Il me dit, j'en ai une, si tu veux, tu pourras venir passer la chercher, je te la vends. Il me dit, tu la vends combien? Bah, il me dit, combien t'en donnes? Ah, il lui dit, bah, écoute, je te mens pas, le prix d'une console en boîte, c'est 120 euros, si tu me dis 120, ça m'intéresse pas, quoi. Il me dit, bon, bah, combien tu m'en donnes? Ouais, je voulais pas l'arnaquer non plus. J'ai dit, bah, je t'en donne 80, ça passe. Il me dit, ouais, hop, 80, ça passe. Donc, on fait le deal là-dessus. Je vais chez lui, je prends la console, il me dit, tiens, je te donne un sac avec, tu regarderas ce qu'il y a dedans, moi j'en ferai rien. Il me dit, ça m'intéresse pas. Attends. Et tu vas me dire qu'il y avait ça? Non, il n'y avait pas ça dedans. Par contre, dans le sac, il y avait Soul Blazer FR,
le fameux Soul Blazer que souvent j'en entends parler. Alors Soul Blazer, Soul Blazer ou Soul Blazer? À chaque fois je me trompe. Soul Blazer. C'est la version euro parce que c'est d'heure en Japon en fait. Ah non, bah alors Soul Blazer, c'est la. La version euro. Elle est noire. Ouais, noire. Voilà, elle est noire. Et non, version FR, hein, FR. Pas la version américaine. Aïe. Il y avait Chrono Trigger dedans, Mystic Quest, il y avait Final Fantasy 3 US, donc le 6 en Jap, que des jeux comme ça. Donc c'est pas du fake, c'est du vrai là ce que tu racontes. C'était du vrai, je te jure que c'est vrai. Moi j'y connaissais rien. En quelle année? En 2014-2015. Je demande à un copain, il me dit non mais c'est pas possible, t'as chopé ça où? Bah j'y dis bah c'est un gars qui m'a donné ça parce qu'il me vendait la console avec. Et du coup, je suis pas idiot, hein, je vais pas mentir non plus, j'ai été voir les prix sur eBay, j'ai été voir sur les forums, etc. Et direct, il y a un mec qui me dit que ces gens sont sous Blazer contre une Neo Geo. Il m'a dit j'ai 3 Neo Geo. Mais ça vaut ces prix-là. Et du coup, je me dis je m'en fous. Il m'a même, je te mets Fatal Fury spécial avec, si tu veux. Le mec il le voulait quoi. Le mec il le voulait. Apparemment c'est chiot à trouver. Ah oui, non, mais c'est encore le cas. Et le mec il m'a dit bon bah écoute, moi j'ai 2-3 Neo Geo, je t'en échange une. Et la DualR je l'ai échangé contre le Chrono Trigger et le Final Fantasy. Voilà. Donc en fait ça m'a revenu à pas grand chose. Ah bah ça c'est des bons trucs. Alors l'idée là c'est que je vais te trouver un objet avant qu'on se laisse. Ouais, vas-y. Et que tu vas me dire qu'est-ce qu'il y a comme anecdote avec cet objet. Tu demandes pas si ça brûle. Bah non, mais on l'a déjà fait ça. On l'a déjà fait ça. Tu l'as même anticipé. Non, je vais te prendre un objet et tu vas me dire. Alors j'aurais envie de te prendre celui-là, mais je crois que tu m'as dit quelque chose dessus, non? Ou la console, pas les jeux, je crois. Non, alors. La console, tu veux? Ouais, qu'est-ce que tu pourrais me dire dessus? Comme anecdote. Premier pack que j'ai eu. Alors c'est pas le mien d'époque. Hein. D'accord. Alors, est-ce que tu me parles si c'était une anecdote? Je t'ai trouvé un objet, tu me dis une anecdote. Alors, j'étais en. Donc on va parler de ce pack-là. C'est pas le mien d'époque, mais c'est pas grave. J'étais en galère pour trouver du Turtle. Et du coup, je cherchais, je discute, j'en trouve à des prix. Alors tu vas sur eBay, t'en trouves, mais c'était compliqué. Et en fait, l'anecdote, c'est que le gars me dit, bah écoute, moi j'en ai un, il est pas en super état. Est-ce que tu voudrais passer sur un échange? Donc je vous montre un peu la vidéo. Et le mec, il voulait m'échanger celui-là. Je te jure que c'est vrai. Il voulait m'échanger ça contre le Pégase. Le Pégase, le tien. Le mien. Je fais c'est mort. Non, je le prends pas. Et en fait, j'ai réussi à lui échanger avec un double que j'avais en Senseiya. Donc c'était un Asgard, je l'avais en double. C'était Mime de Benetac, je me rappelle, je l'avais en double. Et j'ai rajouté un petit peu au bout et j'ai réussi à l'avoir. Voilà. La petite anecdote. Voilà. Et alors tu vois finalement, toi qui étais en mode, ouais, je vous assure que même avant que je vienne, il m'a dit, mais tu crois, je suis pas sûr impact, même avec un double impact, j'y arriverai peut-être pas. Mais tu vois là, mais tu t'es lâché, t'es... Bah, en fait, l'avantage c'est quand t'es là, t'as un échange quoi, que tu dis, t'es tout seul dans ta pièce, tu vas pas parler tout seul. Oui, c'est sûr. Mais si tu te voyais pas en fait parler comme ça de ta collègue. En fait, je pensais pas que. Et encore, on n'a pas tout fait, hein, si tu veux. Oui, c'est sûr. Non, mais je vois, là, par exemple, il y a du Silverhawk. Et c'est aussi une chose que je dis. Souvent, les gens disent ah, mais t'es pas passé ici. Par exemple, on a vu du Metal Gear. J'aurais pu m'arrêter sur Metal Gear. Ouais. Mais par exemple, quand je vois un collectionneur qui a. Enfin, par exemple, là, on sait que ton cœur, c'est Saint Seiya. Ouais. Bah, on va plus s'attarder sur ça. Et je sais très bien qu'un jour il y aura un gros collectionneur de Metal Gear, tu vois. Donc voilà, toi, ce qui t'avait vraiment le plus dans les tripes, même si je sais qu'il y a bien d'autres choses, et bah c'était Saint Seiya DBZ. Donc voilà, vous voyez un peu, voilà, c'est un peu ça. Et ouais, ça a transpiré là. Ouais. Quel est l'avenir de ta collection pour le coup? Parce que là, donc cette pièce est venue petit à petit. Ouais. C'est quoi l'avenir? C'est l'avenir plus grand? Ouais, alors l'idée c'est que bah, t'as bien vu quand t'es arrivé, on est en train de faire la terrasse là cette année. Ouais. L'année prochaine, éventuellement, ce serait pourquoi pas d'isoler le garage et redescendre tout d'un étage. De faire vraiment propre, faire une pièce. Là où on était tout à l'heure en fait, quand on arrivait. Voilà. D'accord. Et l'avantage c'est que j'aurais des murs droits. Parce que là, t'as 10 mètres carrés, tu m'as dit, au sol. Oh, max, ouais, grand max. Mais le problème, c'est le toit qui m'empêche de. Oui, tu peux pas mettre des étagères. Là, t'as pu en mettre. Parce que là, regarde, si j'avais des murs droits, le rétro, tu mets plus qu'une étagère, quoi, déjà. Donc. Mais ça t'a obligé à réfléchir un peu ta collègue et entre guillemets à mettre ces petites décorations. Voilà, c'est ça. Bon, ça c'est pas perdu. Je pourrais le remettre en bas de toute façon, parce que le garage est assez haut. Mais en gros, l'idée, ouais, c'est ça, c'est de.
descendre d'un étage et puis agrandir comme ça, puis continuer à la remplir hein, si, s'il faut. Il y a pas... il y a encore un peu de place, il y a encore moyen de tricher. Oui, il y a encore moyen de. J'ai vu, il y a des espaces ici, il y a des espaces un peu partout. Et pour le coup, la pièce de masterpiece que tu n'as pas encore, ou alors que tu aimerais avoir, ou alors que tu te dis c'est fini, je l'aurais pas, bon, je l'ai laissé partir. Moi j'ai ça, hein, j'ai des objets, je me suis dit c'est fini, au revoir. Le Graal du Graal. Graal du Graal. Ouais, je pense c'est un truc qui s'achète pas. Donc je pense que je peux parler de Graal. Franchement, ce serait pour les salons Tamashination, Bandai. On réalisé les armures taille réelle des chevaliers d'or. Tu les as ça au Japon aussi, t'as ça dans les showrooms, dans les trucs comme ça. Voilà, ils ont fait les armures d'or taille réelle classique et les Soul of Gold. Enfin, pour le moment, à ma connaissance. Ce qui serait énorme, c'est d'en avoir une taille réelle, un n'importe quel chevalier d'or. Et ça s'est vendu quelque part ou... Non, c'est que pour les salons. Enfin, je pense pas que ça soit vendu, hein. je suis pas certain. Après, ce que j'ai peur, c'est j'espère qu'ils mettent pas ça à la poubelle, quoi. C'est juste pour... Non, ça, c'est, ils ont compris avec le temps, toutes ces, tout, comme les dessins animés. Ah, tu sais que les celluloïdes à l'époque, ça partait à la poubelle, ouais, et tout ça, c'était dans les poubelles, sorties des studios et tout ça. Ils ont bien compris que c'est maintenant le Japon était un pays qui ne gardait pas. Ouais. Et maintenant, ça change. Et donc, du coup, franchement, ça, ce serait vraiment le Graal du Graal d'avoir une armure taille réelle faite par Bandai d'un chevalier d'or. Voilà. Et elle prendrait la place de ta borne. Ah bah la borne, ah bah là, il faut descendre dans le garage, hein, c'est mort. Voilà. Bon bah voilà, merci. Bah merci à toi pour cette visite, Nicolas. Finalement, comme je disais, bah voilà, c'est pas un double. Alors quoi, soit en ce moment, je me trompe, je fais un mauvais jugement de la collection, ou même vous faites un mauvais jugement et que vous me dites ah peut-être pas. Donc voilà, on s'en sortira pas pour le moment. Il n'y a pas de double impact. Ouais, bah écoute, voilà, bah, tant mieux, hein. Tant mieux pour toi. Hein, tu puis vois si ça peut permettre aussi à ceux qui regardent la vidéo d'en apprendre et puis pour commencer une collection, voilà quoi. C'est toujours sympa d'avoir des petites astuces qu'on peut trouver par-ci par-là, pour commencer quoi, tout simplement. Exactement. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, Tipeee, etc., etc. Et puis à la prochaine, pourquoi pas, je reviens chez toi. C'est parce que c'est prévu ça. Ça va être génial. Je vais faire je reviens chez toi quand vous aurez, pour ceux qui auront changé et qui auront fait évoluer leur collection, ouais, comme ouais. tu comme toi, par exemple. Ouais. Pas quand on aura changé une ou deux figurines, mais qu'il y ait vraiment du renouveau, du changement, etc. Ok. À bientôt. À bientôt Olivier. Allez, salut à tous. Ciao.